بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فامي ليلوانج لا رميرسيما ليزيلوجو. نولي ديديون سولي كي الله سبحانه وتعالى نولو Rentrons dans le concert de tout ce qui loue Allah subhanahu wa ta'ala et c'est certainement tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et ce qui est entre les deux. Nous revenons vers lui repentant et le, nos péchés sont innombrables. Nous demandons protection contre ces péchés justement et les conséquences de ces péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis et qu'Allah vous accorde tous le paradis sans jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Ceci ne représente pas grand-chose pour lui, ala sa miséricorde couvre et s'étend sur toutes choses. On va donc... Euh, Commencer par le quiz, vous avez été très nombreux, un peu plus que la moyenne, de nos émissions d'Islam au quotidien, pour donc euh, participer à cette à ce quiz et euh, qui a été donc euh, un succès, un succès par rapport à l'objectif parce que ça vous a intéressé, vous me dites, vous nous dites que vous êtes intéressé et que vous apprenez beaucoup par les cuisines, c'est que c'est une bénédiction d'Allah sur nous, dans la mesure où c'est qu'on espère et on le prie d'accepter et de l'agréer. L'essentiel, c'est donc la bonne volonté et mettre les efforts que vous faites. Tant pour ceux qui ont répondu « je ne sais pas », je pense que c'est une grande culture et c'est une grande science que de savoir qu'on ne sait pas, que pour ceux qui ont répondu, et la moyenne aujourd'hui est de 15,12. La médiane tourne autour de 16. Masha'Allah. Soit le quiz était trop facile, soit vous avez fait des efforts, soit c'est les deux. En tout cas, qu'Allah bénisse votre temps. Et donc les questions qui euh, le sujet également, il fait certainement, puisque c'est la vie après la mort, saillissant de la tombe. Le premier séjour en attendant, l'éternité. Il y a trois questions qui ont été... Euh, Moins bien traité, où il n'y a pas eu de moyenne, c'est la question 3, 6 et 7. On va commencer par la première question. Le terme de chaque être vivant est déterminé et inscrit dans le livre du destin. Oui ou non La réponse, alhamdoulilah, à 96%, presque, c'est vrai. C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume dit vie est dictée et ceci se retrouve également quand euh, l'ange chargé des matrices vient insuffler l'âme et le terme de l'enfant ou du fœtus, le terme de celui qui va devenir cet homme ou cette femme est également dicté et cela ne change pas. Deuxième question le terme de vie pourrait néanmoins changer en fonction des circonstances de la vie Vous avez été 36% à dire oui. La réponse, c'est non. C'est non. Les circonstances de la vie font partie du destin. Ce n'est pas s'il avait fait ça, il ne serait pas mort, comme certains le disent. Le prophète Alessalam nous a enseigné, il ne parlait pas de lui-même, celui qui en mourant pense d'une qu chose qu'il n'a pas eue, qu'il aurait pu l'avoir, ou une chose qui qu lui est arrivée, qu'il aurait pu l'éviter, il va en enfer. Donc le destin est important et on reviendra, cher, sur la question de façon détaillée. Mais non, rien, absolument rien ne peut s'opposer au destin. La question 3, que vous, qui fait partie donc des questions que vous avez, euh, que, auxquelles vous avez relativement mal répondu, l'ange de la mort annoncera au moribond son sort avant de lui prendre l'âme. En effet, le hadith est bien connu par ibn Azib, Karalagré. Il a dit qu'un jour le prophète sassan nous a trouvé et en un enterrement alors qu'on attendait qu'on finisse de creuser le lahad. Le lahad, c'est l'antichambre dans les pays musulmans, dans l'enterrement musulman, le, on creuse un trou et ensuite, à côté, on fait donc, euh, on, met, on met une chambre à l'intérieur par miséricorde. Et c'est notre tradition, contrairement aux autres, c'est de mettre un lahad, c'est de mettre donc une, une antichambre une anti pour mettre le corps là, comme ça, quand on va recouvrir le trou de la tombe, là, que, le, que ça ne retombe pas sur le défunt, puisqu'on respecte le vivant comme le mort. Et donc, quand on voit une tombe surélevée, le corps, il est à côté, en réalité. Le corps n'est pas directement comme dans un cercueil. Le cercueil, le trou, c'est autre que nous. Et quand le lahd, c'est donc notre tradition, comme l'a dit le professeur, on était donc là. Quand euh, disait Abarra ibn Azib, le professeur est nous, nous, nous venu nous, nous trouver là. Et il s'est accroupi, il a pris donc euh, un petit bâton en train de tapoter. Sur la terre et il pleurait. Il demandait pro demander protection contre le châtiment de la tombe. Nous avons demandé protection contre le châtiment de la tombe. Il a dit à nouveau demander protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Nous avons demandé protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Troisièmement, il a dit Demandez protection contre le châtiment de la tombe à Allah. Nous avons demandé protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Il dit Quand l'heure arrive jusqu'à la fin, le hadith il est très long, il est très instructif. Il dit donc. Quand c'est une bonne, une belle âme, l'ange de la mort s'approche de lui, alors lui passe le salam et il dit oh, :« Ô âme bienveillante, sors de ton corps et vers la miséricorde d'Allah. » Donc l'âme sort comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Et ensuite, il raconte ce qui arrive à l'âme mauvaise. Il dit :« Il arrache l'âme. Il dit oh, :« Ô âme exécrable, sors de ton corps vers la malédiction d'Allah. » Voilà. Donc l'âme sait avant de sortir si elle a été bénie ou si elle a été maudite et qu'Allah nous en préserve. Et ceci également, c'est dans le destin. Quatrième question, l'homme du croyant montera le ciel en ciel, puis redescendra. Vous avez été que 61%, c'est étonnant, à trouver la bonne réponse. La réponse est que oui. Dans ce même hadith de Barra ibn Adim, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, il se saisit de l'âme du croyant, il le met dans un, dans un linceul, kafn, embaumé du meilleur parfum venu du paradis et les anges se le prennent, se le reprennent l'ange monte et toutes les portes du paradis espèrent, prient Dieu pour que l'ange passe par elles et donc, de toutes les portes du ciel plutôt, donc la monte au premier ciel, on lui au deuxième jusqu'au septième et arrive au septième, Allah dit inscrivez-le parmi les illiyyin, donc les gens qui sont les très bienheureux et qui seront au paradis. Ensuite, l'âme descend et quant donc dans le corps. Quant à l'autre, c'est la quatrième question, l'âme du croyant montera donc à différents ciel, ciel, puis redescendra. descendra cinquièmement, l'ange du croyant rejoindra ensuite le nouveau cycle, et le cycle recommencera, la réincarnation. La réincarnation, bien sûr, ce n'est pas notre école, ce n'est pas notre croyance, et c'est la croyance donc des bouddhistes. Nous, on sait qu'il y a une mort et ensuite il y a une résurrection. Il n'y a, a, a pas un recyclage, comme on dirait aujourd'hui en termes d'écologie. Non, il n'y a pas le recyclage. L'âme va monter ensuite descendre dans le corps. Le, la personne sera interrogée et ensuite l'âme aura la vie qu'elle a mais elle ne passe pas d'une un, personne à une autre. Certains disent dans la théorie de la réincarnation que si la personne avait fait du bien, son âme passe dans un nouveau, dans un homme, dans un bébé. Donc, euh, et à ce moment, ça va continuer. Et si la personne a fait du mal, donc euh, l'âme va, va passer dans un animal, comme un chien ou un porc ou autre chose. Ce n'est pas du tout ce qui est venu de la part de celui qui a tout créé sans besoin et qui sait absolument tout. Ce sont des théories. Nous ne sommes pas donc adeptes de la réincarnation. Sixième question l'âme du damné s'arrêtera au deuxième ciel Ça fait partie des questions où vous n'avez pas répondu de façon satisfaisante, en tout cas pas majoritaire, 46%, la réponse est faux. Faux, l'âme du damné ne pénètre pas dans le ciel. Allah dit, l'âme le, le, du damné ne va pas, donc euh, le Prophète dans ses hadiths confirme le verset d'Allah Subhanahu wa Ta'ala où il dit, donc on va, ne on va pas lui ouvrir le ciel. Il ne passera pas. Il va pas ouvrir le ciel, pas plus qu'un chameau ne pourra passer entre le bas d'une euh, un, aiguille trou d'une aiguille, jusqu'à ce que le chameau passe le travers d'un trou d'une aiguille. Donc ça veut dire jamais. Quand il va arriver au suprême ciel, l'âme ne va pas être accueillie là, et donc l'âme va tourner le temps que le, le, le corps soit enterré en ce, à ce moment. Il va euh, rejoindre le corps. Septième question, là aussi, ça n'a pas été euh, très fameux, 47,6%. L'âme rejoindra le corps Avant l'enterrement, la réponse est faux. Dans ce même hadith et d'autres, le Prophète sallam dit que donc quand on entend déjà le pas des gens qui partent, quand la personne est enterrée, c'est ce moment que les deux anges viendront. Mais l'âme revient donc dans le dans le corps quand une fois enterrée et on va asseoir la personne, quand les deux anges donc vont faire leur apparition. Donc c'est l'âme rejoindra le corps. Après, puisque l'âme est montrée, donc est euh, jusqu'au dessus, jusqu'au septième ciel, dans le cas du croyant, qu'elle rencontre compte parmi ceux et dans le cas de, du, du non-croyant, l'âme ne, du, du non ne va pas pouvoir entrer, elle va donc flotter ou vivre la vie qu'elle la sait, et ensuite l'âme reviendra donc dans le corps une fois enterrée. Huitième question. Les questions seront posées par deux anges. Et le sort du défaut dépendra des réponses. Alhamdulillah, vous avez été 91% à répondre. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, dans la mesure où, si effectivement on répond à ces trois questions, qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Qu'est-ce que tu penses de Mohammed Si on arrive à bien répondre à ces questions en fonction des œuvres que nous avons faites ici, en fonction de la certitude que nous avons acquise grâce à Allah, en fonction de la foi en l'au-delà, en Allah et en son Messager, on pourra répondre pour la répondre, celui qui n'a pas foi dans ce bas bon monde, il a beau lire les livres, il a beau se faire répéter, comme le perroquet dont nous avons raconté l'histoire. ce ne suffit pas de dire là, il a il Allah. Quand euh, la, la... le perroquet a été poursuivi par le chat, ben, il s'est mis à crier. Ce n'est pas là, il a Allah qui est sorti. Donc, dans la tombe qu'Allah nous préserve, en deux, seuls les gens qui ont vraiment vécu l'islam, qui ont vraiment compris qui étaient vraiment certains de la rencontre d'Allah, qui savaient que leur religion était l'islam, que c'était la religion d'Allah, que leur Seigneur Allah, que Muhammad sallâs, est le prophète qui est venu confirmer, corriger et compléter cette même religion, la religion de tous les prophètes, celui-là, celui-là sera à répondre. Sinon, quand c'est à l'hypocrite, dit le Prophète, c'est-à-dire un musulman, qui dit être, mus, qui dit être croyant alors qu'il ne l'est pas, Allah sait son fond, comme il sait toutes choses, celui-là répondrait à, à, à Allah adhérer. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et donc celui... Ensuite, donc, on le... les anges lui diront, tu ne sais pas, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Huitième question, donc des questions seront posées par les deux anges sur le sort et le sort dépendra donc des réponses. La réponse, donc, c'était oui, c'est vrai. Neuvième question, seuls les musulmans seront concernés par cette épreuve. À 86%, vous avez répondu non et vous avez bien, dit, vous avez bien fait. Aïcha notre mère a dit qu'un jour le professeur Salam était absent quand une femme juive lui dit vous serez interrogé dans la tombe elle a dit non c'est pas vrai quand le professeur Salam est venu il lui a dit elle, elle lui a raconté il a dit oui elle a dit vrai elle a dit vrai effectivement ça ça concerne beaucoup de hadiths nous prouvent que toutes les communautés tous les hommes sont concernés par c'est le l'épreuve de la tombe c'est pas le châtiment de la tombe c'est l'épreuve de la tombe quand on répond bien qu'Allah nous conforme cela, parce qu'on a vécu vraiment en tant que croyant, Allah nous facilite et on dit même que hein, le verset 24 de la surah 14, Allah a refermé les, les croyants par la parole ferme dans la, la vie de ce monde, on dit que cela est Allah et dans l'au-delà et on dit que c'est quand on va être interrogé. Donc c'est Allah qui a fermé les cœurs et le, du croyant, bien sûr, et qui répond. Donc, il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés, toutes les populations sont concernées et répondront, ou pas, bien sûr, ils ne répondront pas que Mohammed est leur messager, puisqu'il n'était pas encore venu, mais les prophètes savaient, bien sûr, qu'il avait été envoyé, ils répondront que Moïse ou Jésus ou Noé ou les prophètes qui l'ont été envoyés ont dit vrai. Dixième question, les en charge de questionner s'appellent Jibril et Michael. Il y a 63 personnes quand qui ont dit ça. Michael et Ridouane, 17 personnes. Je ne sais pas, 34, mais vous avez été largement majoritaire. À plus de 90%, a que c'est mon et C'était leur nom, donc, que le professeur sallallahu nous a rapporté de son Seigneur. Wa Onzième question, nourrir les pauvres en guise de monde, sadaqa, avant l'enterrement, faciliterait-il? Donc, l'interrogatoire, Alhamdoulilah, on a traité ces questions-là récemment. Vous êtes près de 70% à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que c'est non. Non, ce n'est pas parce qu'on aura nourri, comme s'il y aura des pauvres, les, les, les riches seront plus favorisés que les pauvres. Non, la nourriture apportée à, à qui que ce soit, à les invités ou à des profiteurs, avant l'enterrement, ne, ne servira pas à alléger ou faciliter l'interrogatoire. Deuxièmement, soulager la famille éprouvée en leur épargnant la préparation de repas. Est-ce qu'il est ce qui est, 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 qu est attendu des visiteurs Certainement pas. Vous avez été 83%. C'est une tradition extrêmement répandue dans la famille. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Le professeur Salam a dit, faites, euh, euh, faites préparer le repas pour la famille des Ja'afar parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils sont tristes, ils ont perdu ou y a Allah a rappelé son serviteur. Et ils n'ont pas le cœur à faire ça. Il n'y a pas de mal à ce qu'on donne à, à manger à des étrangers qui sont venus ou autre chose. Mais on ne fait pas un repas particulier, comme malheureusement on le fait dans beaucoup de familles et dans beaucoup de contrées. Treizième question, faire une, une salaka au 40e jour, très très répandue, comme vous savez, permettrait la libération de l'âme, de la prison de la tombe. Non, certainement pas. Ce sont des vieilles euh, légendes. Qui circulent et qui ont, et qui ont trouvé, donc, oreilles parmi nous, parmi les musulmans en particulier, 40e jour, 40e jour, 40e jour. Non, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça dans l'islam de légiférer. Nous avons emprunté à d'autres, et malheureusement, comme l'a prophétisé le Prophète, on, on le suivra pas à pas. Quatorzième question il faudrait renouveler la Sadaka tous les ans si l'on veut échapper, épargner plutôt la souffrance du défunt. Vous avez été 80% à reconnaître que c'était faux. Si cette question a été posée, c'est bien parce que c'est l'actualité. Malheureusement, chaque année, les gens fortunés ou qui ont des gens dans l'émigration, ils vont quitter les États-Unis, la France et l'Europe et ailleurs pour venir au village ou en ville pour fêter, entre guillemets, l'anniversaire de sa mort. Ça, c'est comme le dit quelqu'un de sage, le, « le, Tout donne naissance à son enfant » Mais l'innovation donne naissance à son père. Voilà. Donc, tout ce, les innovations sont, de, sont, de plus, sont, avec le temps, encore pires que celles qui, qui les avaient précédées. Et donc, non, ça, ce n'est absolument pas à faire. Ni le 40e jour, ni le 3e, ni le 7e, et encore moins un an après. Quinzième question. Mettre de l'eau sur la tombe permettra aux défunts d'étancher sa soif aux besoins. Ça, c'est que si tu vas dans le cimetière, c'est ce que tu vas retrouver des bouteilles et, ou des récipients contenant de l'eau. On en a traité avec si Mohamed Marc et euh, il y a quelques mois, à propos du fiqh contemporain, certainement pas. C'est une innovation, c'est vraiment une innovation. Je ne sais pas quelle en est l'origine, mais ce n'est absolument pas vrai. Sixième question planter un arbre dans un cimetière permettra. À l'âme du défunt de trouver le repos. Non, non plus. Ceci n'est nulle part. Ça se base sur un hadith où le prophète de ce cas-là lui a révélé. a ah, est, est passé en, dans un cimetière avec des musulmans, un cimetière musulman, et il s'est arrêté à deux tombes. et a dit que ces deux sont châtiés pour des choses qu'ils auraient dû éviter, et pourtant, c'est des choses qui sont graves. L'un ne se préserve pas de son baoul, de son urine. Et l'autre ne euh, sème la zizanie entre les gens. Et donc, euh, j'espère, dit-il. A-t-il dit, dit j'espère. Il a pris donc euh, une branche d'un arbuste, qu'il a cassé en deux. Il a planté euh, les deux morceaux dans chacune, dans, dans, dans chaque, sur chacune des tombes. Et il a dit, j'espère que leur euh, châtiment va être allégé le temps que les deux brindilles sèchent ou leur châtiment s'arrêter le temps que les deux brindilles sèchent, cela ne veut pas dire, il n'a jamais dit, et il ne l'a pas fait, et aucun compagnon n'a planté un arbre, un olivier en particulier, à côté de la tombe ou euh, de, de qui que ce soit, jamais. Ça n'a pas été fait parce que ce n'est pas quelque chose d'utile, au contraire. C'est également une innovation qui est très grave même, je dirais, car elle nous préserve contre les conséquences des innovations. Dix-septième question, il est conseillé de visiter les cimetières des musulmans. Oui. Le prophète, alayhi salatu il a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Maintenant, visitez-les. Ça vous rappelle la mort. Ça vous rappelle la mort. Alhamdoulilah, visiter, c'est quelque chose de conseillé. Donc, euh, les cimetières des musulmans. Dix-huitième question, en visitant des cimetières, on doit y faire deux rakats. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prier dans les cimetières. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle... Euh, on n'a pas à lire non plus le Coran. Donc, quand on va dans les cimetières, on va prier donc pour les morts. Ils ont besoin de cela. Cela peut alléger leur châtiment leur, leur pour ceux qui sont tiré. Et dans tous les cas, on demande à Allah de leur faire miséricorde. On leur demande absolument pas. C'est le sens de la 19e question. On peut formuler des vœux lors de la visite des défunts. Non, on ne parle pas aux défunts. Ils ne nous entendent pas. Et on leur demande encore moins. C'est de l'association... La grande association, c'est le Shirk Akbar. On n'a pas le droit de demander à un, vive, à, un, à, un, à un mort et non plus à un vivant qui n'est pas capable. Ce que Allah seul sait faire. Et pour le mort, il est formellement interdit de raconter sa vie. Premièrement, il est occupé, il est déjà occupé, très occupé à autre chose. Et deuxièmement, parce que c'est interdit. Interdit parce qu'il n'entend pas, c'est peine perdue. Et c'est ça fait partie donc des. Il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Donc lui demander des choses, fût-il euh, un wali comme on, on, on le dit et Allah seul sait qui sont ses alliés, ce sont plutôt les croyants. Mais <coughs> Allah seul sait la vie que mène cet homme ou cette femme dans sa tombe et pour laquelle donc on va décorer, qu'on va mettre des, qu'on va <coughs> décorer et on va en faire un mausolée. Mais ce n'est pas du tout ceci qui nous a été ordonné, c'est formellement interdit. C'est la dernière question. Question numéro 20. Il est permis d'orner des de tombes et d'honorer les défunts par l'élévation de mausolée Non. Le prophète que Dieu le bénisse, il a demandé à Allah que sa tombe ne soit pas un mausolée que les gens ne, ne prennent pas sa tombe pour donc un lieu de prière. Et il est formellement interdit de le faire, même si c'est courant. Et les gens pensent bien faire, bien sûr. C'est bien ça le, le danger. Quand on sait que c'est mal, encore il y a une chance quelconque. Pour qu'on revienne à Allah, qu'on arrête et qu'on qu demande pardon. Mais si ce n'est pas le cas, c'est encore pire. C'est encore pire. On n'a pas le droit, donc, de construire un mausolée. Les tombes doivent être à ras de sol, juste un peu surélevées pour que les gens ne marchent pas dessus, qu'ils sachent qu'il y a une tombe à ce niveau-là. Mais ce n'est pas du tout. On ne doit rien élever au-dessus de, 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 de quelques centimètres. Voilà. Et encore moins, on ne doit pas mettre du ciment ni du marbre. Même si c'est fait, planter c'est que l'on plante pour l'ornée ou même pour la marque, avec la date de naissance, la date de, de mort, et tu nous manques, et je ne sais quoi d'autre. Tout ceci, ce sont des habitudes que le professeur Salam nous a interdit de faire, et malheureusement, si seulement on savait, on aurait été bien plus heureux. Voilà donc les, les questions qui ont été euh, bien répondues. Que Allah vous bénisse et surtout qu'Allah vous préserve et nous préserve. Euh, des, des conséquences de nos péchés et en particulier donc du châtiment de la tombe. L'épreuve de la tombe euh, est, terrible. est terrible et euh, n'en sont épargnés que les martyrs et les prophètes. Et ils n'ont pas d'épreuve et le prophète sallam, nous a enseigné que les martyrs, le fait donc d'avoir la, la roulette russe, entre guillemets, l'épée la... tournée autour de sa tête suffit comme stress suffit comme stress que de les questionner, puisqu'ils ont donné leur vie pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Quant aux prophètes, bien sûr, que ils, ont, là, ils, ont, ils, ils ont vécu avec la certitude depuis qu'ils sont prophètes, et ils sont morts avec la certitude, puisqu'Allah les a épargnés. Ils sont, ils sont des marsuphiles, donc ils ne faisaient pas de péché volontairement, en tout cas. Voilà donc pour, cette, pour, cette, pour cet épisode, et on va donc passer à... Aux questions réponses, juste avant de porter le casque, pour dire que c'était un clin d'œil aux frères et aux sœurs tchétchènes, s'il y en avait. Donc, dans la famille, sinon, on va les recruter, Charles, avec un sourire de, et le salam de, de Karim, donc, qui s'occupe encore toujours de la partie technique et qu'Allah le bénisse. Allo, salam alaikum. Allé comme salam cher, vous allez bien. Alhamdulillah, et vous Alors moi j'avais une question. Je non. me suis fait hospitaliser aujourd'hui. Oui. Euh, je me suis fait opérer du pied. Mm -hmm. Ils m'ont mis euh, un énorme bandage que je ne dois pas mouiller. Oui. Et euh, je voulais savoir concernant les ablutions si, si j'ai bien fait ou pas parce que lors d'un live vous aviez parlé de faire tuyages Donc oui. moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les ablutions normales avec de l'eau euh, pour le pour les parties normales mm -hmm. et pour le pied qui est euh, qui est emballé enfin, on, va oui. dire, on va dire oui, avec euh, le bandage j'ai fait euh, j'ai fait des avec un taïamum est-ce que c'est bon ou pas du coup Vous avez fait un avec un taïamum oui, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce euh, que ça veut dire les avec un taïamum c'est-à-dire que j'ai passé la pierre sur mon pied, de la le... cheville, en faisant tout le tour comme avec de l'eau. Je ne sais pas si c'est bon. C'est une nouvelle façon de faire. Qu'Allah vous guérisse, <laughs> vous complètement et vous récompense, mmh. vous, vous pardonne vos péchés au travers de la douleur et de la tristesse que vous avez pu ressentir. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous arrivez, si le bandage, si le bandage est petit, vous faites les ablutions et arrivez, vous lavez le pied également, juste là où il y a un petit bandage entre guillemets, un sparadrap ou autre chose. Vous passez les mains mouillées. Mais si le bandage couvre tout le pied, une grande partie du pied, et que vous n'avez pas accès, comme comme si par exemple, c'était un plâtre, à ce moment, il vous, il vous suffit de faire le tayamum, c'est-à-dire vous prenez une pierre, il y a trois conditions, l'intention, vous Frappez la pierre et ensuite vous passez sur le tout le visage et ensuite mmh. vous, le, vous le faites à nouveau, vous le passez sur les mains jusqu'au coude pour les maliki, et donc main droite, euh, main gauche sur la, le bras droit et main droite, main droite sur le bras gauche. Et pour les autres, il suffit de faire ça donc ça se fait en 30, en 30 secondes maximum et cela vous suffit, mais vous n'avez pas à, à essuyer la... la... parce que l'essuyage des pieds en fait c'est ça, c'est Quelque chose qui se fait quand on a porté les chaussures, on peut enlever mais qu'on n'enlève pas. Ou qu'on a porté les chaussons et, ou des des, des chaussettes, des, des chaussettes plutôt pas des chaussettes, parce que la plupart des savants disent qu'il faut au moins que ça recouvre l'endroit qu'on doit laver, c'est-à-dire les chevilles. Donc là, vous faites tout effectivement quand vous, quand vous arrivez là, vous passez les mains mouillées sur les chaussettes ou sur les, ou sur les chaussures. Ou sur les chaussons. Mais, voilà, mais ça, c'est les mains là, mouillées il est dessus. Bon. Voilà. Mais là, ce n'est pas... Parce que là, les médecins, ce oui. n'est pas bon. Parce que là, les médecins, ils m'ont dit de ne pas mouiller le bandage. Voilà, donc en euh... fait, on voit mes doigts de pied. On voit les doigts de pied. Oui. Mais le reste, c'est bien... C'est un, un bandage que je ne peux pas enlever. Voilà. Voilà. Donc, donc, voilà. donc, si c'est ce, si ça, il vous suffit de faire le taillement. Vous n'avez pas besoin de passer la pierre dessus. Vous faites le taillement en ne touchant qu'au visage et les deux mains jusqu'au jusqu coude, pour être sûr, hein, puisque les malikis vont jusqu'au coude. Euh, mais il suffirait à la limite que vous passiez sur le visage, tous le, les, les mains, vous, vous, avec l'intention qui est dans le cœur, juste vous appuyez sur la pierre ou sur le sol, bon, j'imagine que c'est sur la pierre, et donc vous le passez une première fois sur le visage. Et à nouveau, vous le faites, vous le passez, il suffit de passer sur les mains pour que ce soit valable. Mais par souci de dévisser de, 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 de les divergences vous les passez jusqu'au coude ici comme ça et ensuite vous faites ça et vous avez fini ça c'est les mains qui ont juste touché la pierre et ça suffit largement vous n'avez pas, ah, okay. pas à laver les autres, les autres parties du corps vous avez ah, essayé Allah subhanahu wa vous accepte ce que vous avez fait et dorénavant vous le ferez comme ça Charles d'accord ok je vois oui Barakallah. Okay. Merci beaucoup, cher plaisir. Que Allah vous récompense et que vous accorde le paradis. Amen. Barakallah. Bonne soirée. Vous aussi, que Allah vous guérisse complètement. Amen. Merci. Alors, on a quelques questions sur la prière, donc on va essayer d'enchaîner. Euh, Peut-on prier les cheveux attachés Un homme qui pose la question. Euh, avec un couvre-chef, un bonnet. Un bando. Le professeur Sallam, dans un hadith, il a dit qu'on ne, qu ne prie pas avec les cheveux attachés. Avec les cheveux attachés. Ça ne concerne pas la femme. L'avis des savants, c'est que ça ne concerne pas la femme, qui a des cheveux longs, qui a besoin certainement de ça, ne serait-ce que pour les courir. Mais pour l'homme, on ne doit pas prier avec les cheveux attachés. Est-ce que la prière est valide Elle est valide, puisque ce n'est pas une annulation de la prière, mais on a fait quelque chose d'interdit. Et ce qui veut dire donc que... La prière retribuée, est-ce qu'Allah va l'accepter lui seul le sait. Et s'il accepte parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas par Mais si c'est par confort qu'on a désobéi au prophète, il se peut qu'Allah ne l'accepte pas. Mais ça, ça dépend que de lui, subhanahu wa ta'ala, comme tout dépend de lui. Alors, on va prendre une autre question. Une femme incontinente hein, peut-elle prier avec sa protection ou, ou dois-je attendre donc, de, de rentrer pour faire mes prières euh, une autre question à un rapport, une personne incontinente peut-elle rassembler plusieurs prières Oui, donc elle ne doit pas prier euh, avec sa couche, sa protection, si elle peut la changer. Si elle, la, si elle prie avec, alors qu'elle n'a pas commencé la prière, sa prière n'est pas valide, puisqu'elle prie avec l'impureté, dès le début, elle le sait. Si elle ne le sait pas, par contre, il n'y a pas de problème. La, la continence, l'incontinence, c'est une maladie, c'est une preuve pour les hommes comme pour les femmes. À ce moment-là, on fait ses ablutions, on fait, on fait, on change la couche, on fait ses ablutions normalement et juste avant la prière, on fait ses ablutions pour ne pas avoir d'incontinence. On fait la prière et quand on fait la prière, après, peu importe ce qui va advenir. Là, là, c'est tout à fait possible et valable même si c'est de l'urine ou autre chose qui sort alors qu'on est en train de prier. Et on peut également, ben, par, par, quand on a traité la prière du voyageur avec. Euh, ainsi Mohamed, Barakallah fait, on peut également donc regrouper les prières du Dohr, Katraka, avec le 4 Katraka, comme le Maghreb avec le parce que pour faciliter la vie des gens. Allah nous a facilité la pratique de la religion. Ça c'est possible à cause de l'incontinence, à cause des météorologies, à cause de conditions météo, quand c'est à la mosquée, etc. On a déjà répondu à ces questions-là, vous pouvez référer euh, au livre qu'on a du cher la prière du voyageur, ou à la vidéo que nous avons consacrée à la prière du voyageur, pour ne même pas dire deux, deux lives que nous avons consacrés à voir trois à la prière du voyageur. Oui. Allô. Oui. Allô. Voilà, qui Salaam alaikum. Ah désolé. Vous oui. êtes en direct. Oui. Oui, je voudrais d'abord vous remercier à vous et à toute l'équipe pour tout ce que vous faites. Voilà, En euh, fait, moi, j'ai une question. En fait, j'ai une, une amie, je dirais vraiment c'est ma meilleure amie qui oui. est non-musulmane. Oui. Alors, nous passons nos quotidiens ensemble et on échange également sur nos différentes religions. Oui. C'est une belle personne là qui est très pratiquante dans sa foi. Alors, au fait, euh, je ne suis pas trop tranquille quand je me rends chez elle parce qu'en fait, elle vient chez moi, passer quelques temps, je vais chez elle aussi, on passe nos vacances ensemble. Oui. Et surtout, elle a beaucoup de statues dans sa chambre. Oui. Et moi, quand je vais là-bas, d'habitude, quand je prie, je prie dans le salon, mais quand je dors, je dors dans sa, dans sa chambre oui. où il y a beaucoup de statues oui. donc du coup je sais pas est-ce que je devais continuer à aller dans ces ailes ou pas et puis quand on passe nos vacances également elle aime bien aller visiter les, les réaliser les églises après moi je, je rentre hein, pour visiter je prie pas mais bon je l'accompagne donc du coup je sais pas est-ce que j'ai droit à tout ça ou pas ce que vous faites c'est euh, disons que ce n'est pas à faire dans la mesure où, euh, ce n'est pas une question de tolérance, c'est que nous on sait, de ce que nous a enseigné le professeur, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des statues, euh, où il y a des chiens. Donc euh, ce n'est pas, pas, pas du tout mépriser une façon de pratiquer, ni des animaux, pas du tout. C'est une chose que Allah a décrétée ainsi. Donc le sachant, si vous priez dans une maison où il y a des statues, la prière est valide. Le prophète sallallahu hein, quand il est rentré dans la cave, il y avait 360 idoles avant qu'il les casse. Donc la prière est valide. Simplement, est-ce qu'elle est acceptée? Vous avez moins de chances puisque vous n'avez pas d'anges qui vous accompagnent. Donc euh, je, ne dirais, je dirais que les anges, les, les, les idoles n'ont pas d'influence sur votre prière en tant que telle, mais vous vous coupez de, 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 de la bénédiction que Allah vous apporte avec les anges. Donc c'est aussi vrai pour le sommeil. Si vous dormez dans une maison où il y a des idoles. Il y a les idoles, il y a les statues en tout cas, que ce soit, soit adoré ou pas. c'est Les anges, ça prive les anges de rentrer. Ça, c'est le professeur Saddam quand il a attendu l'ange Gabriel. Euh, il a attendu l'ange Gabriel qui n'est pas venu. Et, et pourtant, les anges, ils respectent le rendez-vous. Il est sorti, à ce moment, il est venu. Et il lui a dit, mais je t'ai attendu. Il dit, mais est-ce que tu ne sais pas que nous, les anges, on rentre pas dans une maison où il y, avait des, où il y a des images donc, d'être animé et des, et des chiens. Donc, c'est la raison pour laquelle mieux vaut, en tout cas, si vous allez en vacances ou ailleurs, en lui, juste lui expliquant, puisque vous êtes croyante et qu'elle est croyante également dans sa religion, vous lui expliquez, nous, on sait que les anges n'entrent pas. Et donc, moi, je préférerais qu'on les enlève dans ma chambre au moins, si vous voulez bien prier là, ou y dormir. C'est ce que je vous conseillerais en tout en fait, cas. C'est une seule chambre, c'est ça. En fait, c'est une seule chambre, c'est ça. Chambre, on dort ensemble et... Ah, vous, et là, vous, vous dormez <laughs> dans cette même chambre mais si, vous dormez oui, dans, si, si vous dormez dans cette même chambre, mais si elle tient à ses, ses, ses statuts, vous pouvez dormir, vous pouvez prier, mais sachez en tout cas que euh, si vous êtes privé la parole du Proverbe Salam est vraie, et que vous êtes privé de la présence d'anges dans, dans, une, dans une chambre comme ça. d'accord. Ouais. Alors une question, est-il permis de voyager vers des mosquées autres que les trois sacrés Le hadith est clair. Le professeur Salam a dit, ne prenez vos montures que pour visiter trois mosquées. Donc la mienne, dit-il, celle, pas celle du Mirail, celle qui se trouve à Médine, sa mosquée. Il y a beaucoup de mosquées, mais la mosquée du professeur Salam, euh, à côté de son cimetière, à hein, de, de sa tombe. Et la mosquée, la, la, celle de Quds, qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, purifie cette maison et, et, et nous la conserve, hein, là, le troisième lieu saint de l'Islam, et également la Kaaba, bien sûr. Donc on doit prendre sa monture avec l'intention d'aller visiter cette, ces mosquées-là que pour les trois mosquées. Après, il n'est pas interdit, entre guillemets, d'aller visiter des frères, d'aller visiter... Des, des, des savants d'aller visiter autre chose, mais pour autre chose, pas pour la mosquée elle-même. Donc la mosquée peut paraître beaucoup de... Au cours d'une visite que l'on ait prier dans une mosquée, parce qu'on en a entendu parler, c'est de la curiosité, mais on ne voyage pas pour ça. Donc l'intention n'est pas d'aller visiter une mosquée autre que ces trois, puisque le hadith il est très clair et je ne connais pas d'autre explication à celle-là. Allo, salam alaikum. Allo? Allo, salam. Alaikum, salam, on vous écoute. <laughs> ok. Euh, on a débattu, en fait, une question tout à l'heure au niveau du quiz. Euh, le quiz disait à propos quand euh, euh, quelqu'un est décédé. Oui. Au fait, mon papa est décédé il y a, y a de cela, je crois, huit euh, mois. Oui. Il va bientôt faire un an. Oui. Donc, euh, la famille propose à ce que les, une année et, et de la mort du papa, au fait, l'anniversaire, comme vous l'avez dit oui. tout à l'heure, oui. de faire un sacrifice. Oui. Ma question est la suivante. Euh, vous avez dit tout à l'heure, ça n'apporte presque rien aux deux cents. Mm -hmm. Et est-ce que moi, en tant que sa fille, quand on parle de cotisation, est-ce que je peux m'incliner de ça? C'est-à-dire, euh, je ne sais pas. Si je vais dire à, à ma mère, j'ai pas d'argent. Ça, c'est mentir aussi, euh, d'une part. Et voilà, je ne sais pas quoi faire maintenant. Parce que je, j'ai traité le cuir. Oui. Et maintenant, vous l'avez aussi débattu. Je, je sais ce que ça veut dire. Oui. Mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ma maman. Alhamdulillah, Allah, Allah vous a, vous a permis de, avance de vous associer à quelque chose qu'il n'aime pas et vous a permis de le savoir. Donc remerciez Allah oui. subhanahu wa ta'ala de vous avoir permis de faire le quiz et d'avoir entendu ce que vous avez entendu. Ce dont je vous parle, ce sont des choses qui sont sûres. Après, les gens peuvent raconter ce qu'ils oui. veulent sans preuve. Donc maintenant que oui. vous le savez, vous ne devez pas vous y associer. Maintenant, il ne faut pas mentir non plus comme vous dites. Je pense que le mieux serait de transmettre le peu que vous avez entendu, que vous avez compris à vos parents de la meilleure des façons. En disant « Maman, tu sais, je ne savais pas que… » Le mieux serait de faire une saraqa maintenant, par exemple. Et ne pas attendre de ne pas faire un anniversaire, de ne, pas faire, de ne pas fêter, entre guillemets, un anniversaire, ou de ne pas attendre l'anniversaire. Et donc maintenant, si on oui. peut le faire, voilà. Maman, d'ailleurs, moi, ce que je propose, même si les autres veulent attendre un an, moi, je, prof... moi, moi, je veux faire ma sadhaka aujourd'hui ou demain. Mais il ne faut pas le faire, faut pas faire à une date précise. Il n'y a pas. La sadhaka, au profite, profite des défunt Mais la pratique que nous faisons oui. des 40 jours, des 7 jours, de un an, elle est interdite. C'est une innovation. Donc, qui dit innovation dit que ce n'est pas accepté. Le prossédame a dit, dans le hadith ouais. d'Aïcha, donc c'est rejeté. Si c'est rejeté, ça veut dire que même si, pour plaire à votre mère, vous cotisiez, vous aurez perdu de l'argent parce qu'Allah ne va pas accepter ce que le prossédame a interdit. Voilà. Donc là, il faut trouver la bienveillance. Si vous connaissez un imam, entre guillemets, vous vous dites, tiens, je ne savais pas, je viens d'entendre un imam en train de dire que, euh, vous pouvez lui faire écouter, vous, euh, ou sinon vous vous adressez à quelqu'un qu à qui elle croit. Et donc, pour essayer de la convaincre. Mais vous devez quand même partager cette science-là parce que vous le voulez du bien à votre maman. Vous voulez du bien à votre père qui est décédé, qu'elle lui fasse miséricorde. Mais vous, maintenant, vous savez, ne, ne gardez pas ça pour vous. Je ne dis pas de rentrer en disant, ça c'est interdit, ça c'est haram, ça c'est... Non, il faut le dire avec bienveillance parce qu'on espère que c'est par ignorance que les gens désobéissent à Dieu. Voilà, moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Mais maintenant, si j'ai bien compris, au oui. fait faire la sadaka, oui. dire, euh, par exemple, ils l'ont proposé au fait comme ça euh, une année, mm. acheter une vache et euh, donner ça au fait au démunis et partager en un mot oui. et des, des sacs de riz, c'est ce que maman a proposé au fait. Oui. Maintenant, faire ça comme sadaka. Mm. Est légiféré ou bien ça aussi, c'est pas bon Non, elle, peut, elle peut le faire, mais pas le faire à une circonstance particulière. Ah. Il est là le problème. La sunna c'est six choses, dit le Jérusalemine, comme la nature de la chose, oui. le moment également. C'est-à-dire que le professeur ne l'a pas fait, ses compagnons ne l'ont pas fait. Le fait de le fêter spécial, de le fait, le fait de faire cette sadaqa spécialement après un an, il n'y a pas de preuve qu'il faut le faire après un an, ni sept jours, ni 40 jours. Le problème, il est là. C'est que le, la sadaka elle est, elle est bien, mais la sadaka n'est pas faite au bon moment. Ok. Par voilà. exemple, comme moi, comme ça, deux mois moi je peux leur dire maintenant, le mois à venir, est-ce qu'on va pas faire une sadaka pour papa Ça c'est légitime. Par, par ça, exemple, tout à fait, ça c'est bien. Petit... Papa, 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 papa oui. a certainement besoin de de, de nos de nos sadaka, Alors faisons une sadaka. Voilà, le mois prochain, non, on va attendre un an. Pourquoi attendre l'anniversaire d'un an Pourquoi parce qu'il qu n'y a aucune preuve pour le faire. Voilà. Alors qu'il il est bon de faire le salaka pour les morts, même pour les vivants, mais surtout pour les morts. Donc le plus tôt, c'est encore le mieux. Pourquoi attendre un an Dans un an, peut-être que vous n'allez pas vivre, peut-être que nous n'allons pas vivre, peut-être que je ne sais pas ce qui peut arriver. Pourquoi attendre un an Quand on veut faire du bien, il faut le faire de suite. Et il n'y a pas de jour à attendre, et encore moins de donner une valeur particulière au jour anniversaire, comme on entend parfois, mon père est mort exactement le 1er février, comme si comme, comme si ça avait un rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. Ce n'est pas parce qu'il est mort le 31 janvier que chaque 31 janvier, il va falloir euh, euh, déclarer ça comme, comme jour férié, ou s'attrister ou autre chose. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas de sens dans l'islam. Ça n'a pas de sens. OK Barack Allah, Allah al la, vous accepte, Allah vous facilite. Et puis, si vous et toute la famille pense maintenant que voilà, tu reviens, elle est devenue wahabiyah, je ne sais <laughs> pas, c'est la population, vous comprenez. Oui, je comprends très bien, Donc, vous n'êtes pas, pas la première Exactement. et remercie Allah. Peut-être que certains, vous savez, les, les ignorants, il y en a beaucoup, et il y en a, dans leur discussion, certains ont dit Mais le professeur sallam, est-ce qu'il était Hanafi ou il était Maliki c'est pour vous dire qu'ils connaissent même pas l'histoire. Je veux dire, euh, ibn Abdu Ab c'est un musulman comme un autre. C'est quelqu'un qui a redressé des torts quand les gens ils ont associé Allah subhanahu wa taala. On est musulman, on espère être croyant et on suit la sunnah du Prophète sallallahu On ne suit pas un homme. Autre que le Mohammed, on ne le suit pas, quel que soit le savant, quel que soit le, la personne. Non, on ne suit que, la, on ne suit que le Prophète. On fait dire à l'imam Malik, euh, qui n'était pas Wahhabi, puisque l'imam Abdel Wahhab est venu bien après, on lui faire dire à l'imam Malik, euh, on prend de tout le monde et on laisse de tout le monde sauf de celui qui est dans cette tombe parlant du Prophète. Certains disent que c'est plutôt, euh, plutôt Ibn Abbas, qui est son cousin et compagnon, qui l'aurait dit ça. Peu importe. La communauté des savants est d'accord pour dire que la parole d'un homme, quel qu'il soit, n'est pas une preuve. C'est un argument, c'est pas une preuve. Là, ce qui est une preuve, c'est la parole de Mohammed qui ne parlait pas de lui-même. C'est Allah qui a dit, et donc ça, ce n'est pas discutable. Et le seul homme de qui on accepte... Quand c'est ça, sa parole est vérifiée, c'est Mohammed sallallahu wa sallam. Et pas, et pas Wahab, ou Sheikh euh, Othman ou Albani, ou je ne sais qui d'autre. Celui qui vient, il doit venir avec ses preuves. Voilà. Donc, si on vous traite de Wahhabi ou d'autres choses, que cela, c'est blessant, c'est plutôt de la moquerie, et ce n'est pas à faire. Les gens qui le font, qu'ils craignent Dieu ce n'est pas à faire, et par contre vous, vous devez patienter, et l'entente ça ne doit pas vous décourager sur le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu parce que, comme vous le savez sur les 73 parties de l'islam 72 en enfer qu'Allah nous préserve et une seule qui sera sauvée c'est celle qui suit ce sur quoi a été Mohammed sallallahu alayhi lui et ses compagnons, donc prions Allah subhanahu wa ta'ala de vivre sur la sunna et de mourir dans la sunna, donc ne vous découragez pas si on vous traite de ceci et de cela, vous n'êtes pas la seule ni la première, et certainement pas la dernière non plus. Ok, Baraka okay. Allah est avec plaisir. Que Allah vous bénisse tous et que Allah que... vous récompense. Amen. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est une très bonne chose parce que ça nous j éduque. Vraiment, moi, ça m'a éduqué. Alhamdulillah. Et de je, je voulais témoigner cela. Que Dieu nous récompense. Amen, tous. Amen. Et que Dieu vous une très bonne fin. Amen, et amen. Et que Dieu nous rende au paradis. Amen, amen. Barakallah, vu qu'Allah nous éduque et nous enseigne ce qui nous sera utile. Barakallah, vu que Assalamu alaikum. Alors, est-il vrai qu'il faut toujours être en état d'abidition pour faire des zikr en dehors des heures de prière Comme tu as pu le, le, le poser comme question, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Prophète sallallahu sallam faisait du zikr, se rappelait Allah à tout moment. Et il ne prononçait pas le zikr quand il était en état de janaba, C'est-à-dire quand on doit faire le ghusl, il faisait le ghusl et ensuite il se mettait à continuer à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut continuer, et je dois même dire, on doit continuer à faire le zikr, le zikr étant l'âme même du cœur. Et c'est sur ça que nous travaillons depuis quelques semaines avec Karim les mercredis. Donc c'est l'objet du live du mercredi, c'est le zikr. C'est vraiment ce qui va t'élever, c'est ce qui va te, 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 te permettre de faire vivre ton, ton cœur et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc de te rapprocher d'Allah. Il ne faut pas abandonner parce que tu n'as pas les ablutions. Mais il est vrai qu'il est mieux d'avoir les ablutions dans tous les cas. Dans tous les cas, il est mieux d'avoir les ablutions, sauf quand on ne peut pas. Donc quand on sait qu'on on a de l'incontinence, quand on sait qu'on a des gaz, quand on sait que quand on ne peut pas renouveler facilement les ablutions. Mais on continue à faire le décret, il n'y a absolument aucun mal. Ne vois-tu pas que même la femme qui est indisposée, donc qui, qui, ne, qui ne doit pas prier, qui ne doit pas jeûner, il est permis, qu'audige, il est obligatoire de se rappeler à Allah Soit en écoutant euh, des, des cours, soit en, en, en lisant euh, des, des choses autour du Coran, autour de la religion, soit. Euh, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec euh, ses noms sublimes et ses, 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 ses attributs euh, et tout ce qui peut avoir un rapport avec le dhikr. donc ça c'est possible il ne faut pas l'abandonner parce que les uns et les autres disent et sans science certainement ce qui est ce qui n'est pas vrai Allo oui Allo C'est un honneur de vous parler Alhamdoulilah Allah Hérachik. Je suis étudiante à la et en début d'année. Euh... On a, on a, on a, on a, ma soeur, excuse-moi, on a, on a du mal à, à vous entendre, ça s'est se, achevé, la communication. Ah, C'est mieux comme ça Peut-être, on va essayer. Je dis que je suis à la Et ma... euh, en début d'année. Euh... On va essayer de tendre l'oreille parce que non, on a, on a du mal. Je ne sais pas pourquoi. Essayez, on va, on, va essayer de, on va essayer de comprendre, sinon vous allez essayer de rappeler, vous avez eu la chance de passer, peut-être qu'Allah vous donnera une double chance. Allez-y, allez on, va, on, va on va essayer quand même, Charles, de, de tendre l'oreille parce que c'est vraiment achevé. Ok, euh, je disais que euh, je suis étudiante à la ouais, fac oui. et euh, que j'ai un petit... De... qui va bientôt euh, être à 15h et oui. comme on change d'horaire de... bientôt oui, à je voudrais savoir parce si que je ne vais pas pouvoir faire mon, mon cours à l'heure mm -hmm. parce que c'est un cours euh, obligatoire et si je ne le fais pas je, je passe euh, obligatoirement euh, en rattrapage et je voulais savoir si je pouvais euh, décaler mon rapport parce que je ne vais pas pouvoir le faire euh, à l'heure alors comme tu dois le savoir car la bénisse ton, ton... Ta vie et ton temps, dans la mesure où tu t'en préoccupes, ça c'est une très bonne chose, parce que certains disent j'ai pas le choix. En fait, on a le choix. Le astre, comme vous savez, comme tu le sais, l'entrée le du astre, c'est depuis euh, l'entrée de l'heure jusqu'à sa sortie, c'est jusqu'au moment où le soleil jaunit, qui est la meilleure période. Mais celui qui a une raca qu avant que le soleil ne se couche a donc à prier le astre à temps. Donc il faudrait voir si c'était possible de changer de groupe déjà, parce que j'ai fait quand même des TD. Voilà, presque sept ans. J'ai fait des TD, donc euh, il est possible, il y a des groupes de TD. Donc si tu peux déjà changer, TD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit des travaux dirigés, voilà, qui sont obligatoires. Et euh, il y a des groupes de TD. En général, il y a des groupes de TD. Donc tu peux peut-être changer de groupe pour essayer de prendre le groupe du matin ou un peu plus tard pour pouvoir faire le asr puisque le asr comme tu le sais c'est le qui rate le asr sans, sans excuse valable islamiquement c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens donc c'est très important mais si après le t.d tu as n'arrives pas à changer de groupe et qu'après le t.d euh, tu as quand même le temps de faire le asr avant que le soleil ne se couche il hein, n'y a pas de mal dedans et si c'est vraiment pas le cas non plus il t'est permis parce que c'est exceptionnel de faire le dhor euh, à 13h ou je ne sais à quelle heure avant le TD et de faire le astre en même temps si tu es sûr de ne pas pouvoir faire le astre avant le coucher du soleil plutôt que de laisser le soleil se coucher alors que tu es en train de faire le TD. Ok, parce voilà. que j je ne peux plus changer de groupe ah. malheureusement. Le délai c'était fin euh, septembre. Mais euh, mon télé, Inch'Allah, se terminera aux alentours de 16h, 16h30. Et l'Asr, euh, en heure d'hiver, passera aux alentours de 15h. Donc, je pourrais le faire une heure après euh, environ. Inch'Allah. Là, il n'y a pas de mal. Simplement, tu, tu, comme tu le sais, au mois de décembre, hein, je pense que le, as, le coucher du soleil risque d'être encore plus tôt. Mais tu feras attention, oui. comme Allah, subhanahu wa ta'ala, va t'assister dans, dans son adoration. Inch'Allah. voilà que je suis en train de revoir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lisant un livre écrit par Cheikh Albani. Et je suis de l'école malikite et je voulais savoir si le fait que le Cheikh était de l'école Hanafite, si cela pourrait me faire mélanger plusieurs pratiques en prière, gestes, paroles. Euh, donc la question c'est pour la résumer, est-ce que euh, je peux, il faut que je suive l'école malikite ou est-ce qu'il est préférable d'apprendre avec un livre écrit par un chef, donc de l'école malédicite, quitte où cela n'a pas d'importance. Voilà. Donc je sais qu'il y a quelques divergences hein, sur l'annulation des ablutions avec les baves de chiens, etc. Donc d'apprendre, tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Euh, le mieux c'est d'apprendre de, de, dans une école d'abord et ensuite de connaître les divergences. Mais il t'est permis de suivre un imam de confiance. Il n'y a absolument pas de mal. Si tu connais tu as commencé, tu connais l'école maliki avec ses règles, il n'y a pas de mal à ce que tu suives un livre de cette école-là. Mais en lisant le livre du Cheikh Albani, qui n'est pas, entre noms, euh, de, ce qui n'est pas, hein. pas Hanafite, il n'est pas Hanafite, il n'a pas d'école, il n'a pas d'école, le Cheikh Albani, euh, donc ce qu'il a écrit est discuté par les quatre écoles, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il est spécialisé du hadith, donc elle le, elle le compense pour le travail, de clarification qu'il a, qu a fait, mais il n'est pas d'une des, des quatre écoles. Mais si vraiment tu as la possibilité d'approfondir école l'école dont tu te réclames, qui est l'école Maliki, mieux vaut le faire. Sinon, tu vas avoir de la confusion. Mais une fois que tu as approfondi ça, il n'y a aucun mal à ce que tu prennes ce livre-là, qui est une somme en fait de hadiths, et que tu vas retrouver forcément dans l'école Maliki, peut-être pas tout, mais que tu vas le retrouver. L'interprétation peut être un peu différente. Mais si tu n'as pas le cas, si ce n'est pas le cas plutôt, tu peux te contenter de suivre l'imam de ta mosquée ou l'imam de ta ville ou euh, un cheikh, n'importe lequel, de, respect, de respecter, de savant, et donc que, que tu peux suivre parce qu'il diverge sur la prière de combien 5%, 10%, peut-être. Et ce que tu dis effectivement sur euh, la bave de chien ou sur autre chose. Bon, ce n'est pas. L'annulation des ablutions, je ne pense pas qu qu qu'il qu y a vraiment beaucoup de divergences dessus. À part l'école Hambali, par exemple, qui dit que le, le fait d'avoir de manger le chameau, le, la viande de chameau. Mais bon, ce n'est pas. Où que tu sois, ce n'est pas sur ça que tes ablutions vont, vont être annulées. Et quant au pilier de la prière, ils sont d'accord sur 90%, voire plus. Donc je ne pense pas vraiment que tu risques grand-chose, mais effectivement, ne sois pas ton propre ton propre euh, imam, ton propre savant, et je prends de là, je prends de là-bas, je prends de là-bas. Non. Ça, c'est ça, 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 ça tout mélangé et tu risques de te perdre, effectivement, parce que tu ne sais pas les bases euh, sur lesquelles les savants ont déduit des règles. Mais ça ne veut pas dire que les règles de l'école Maliki sont meilleures que celles de, de l'école Hanafi ou d'autres choses. Simplement, ils ont tous des arguments, ils, ont tous des, ils se basent tous sur le Coran et la Sunna, comme on l'a vu avec Si Muhammad, et simplement c'est... Euh, la priorité ou la compréhension de certains hadiths qui, les, qui ont différé. Et donc, si tu as un livre sur l'école maliki, alhamdoulilah, tu peux continuer, ce serait mieux pour toi, ne serait-ce que pour ton cœur. Mais si tu ne l'as pas, mais si tu as des questions surtout, tu peux les poser à n'importe lequel de, des imams de confiance. de confiance. Allah te donne la confiance et peut-être également la réponse parce qu'il se base sur le Coran et la Sunnah, tu peux te baser dessus. En, leur, en prenant les, les fatwas qui donnent, parce que c'est les gens que, normalement qui craignent le plus. Allah, subhanahu wa Donc il n'y a pas de mal à prendre, euh, prendre l'avis de savants connus. Mais si tu veux te faire une, une école, tu ne peux pas mélanger les écoles, entre guillemets. Tu peux suivre les savants de confiance, mais pas mélanger les écoles. Allah, Allah, Allah. Alors, salam alaykum.

Mmh. Euh, J'ai un, une interrogation par rapport à un mariage qui s'est fait euh, via WhatsApp avec un cher, euh, les parents de la fille plus euh, son frère mmh. et elle-même, et euh, le garçon plus euh, un de ses amis. Mmh. Et du coup, le mariage s'est euh, fait comme ça. Cependant, la famille de l'homme n'est pas au courant. Donc, pour moi, je ne je, bon, dois pas donner mon avis, c'est pour ça que je vous pose la question. <laughs> mais si oui, je me suis corrigée, vous avez vu euh, Mais si la famille de l'homme n'est pas au courant, je trouve ça bizarre quand même. Ce n'est pas ce n'est pas soumis que la famille de l'homme soit pas au courant, mais le mariage est valable. Si je me retrouve euh, en Chine et que j'ai envie de me marier que que j'ai pas mes parents, je devrais au moins les les avertir et demander leur bénédiction. Mais si euh, les conditions que vous avez décrites, c'est-à-dire si les parents de, de, de la femme sont là, ils sont d'accord. et J'espère qu'ils ont fait leur enquête sur le frère, etc., etc. Le mariage reste quand même valide. Si les, si les trois piliers du, du mariage sont réunis, le mariage est valide. Par contre, euh, je pense que le mari est en faute de ne pas informer ses parents. Mais le mariage reste valide. D'accord. Voilà. Okay. Mais que le, 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 au, moins oui. les, au moins, les parents devraient euh, conseiller le, le frère ou même bien avant le mariage, de demander est-ce que tes parents sont au courant pour qu'ils ne ils participent pas, etc., etc., au moins pour s'informer, ne serait-ce que pour conseiller mm -hmm. leur... Euh, voilà, pour conseiller leur gendre. Mais le mariage reste valide si les conditions et les piliers que vous venez de citer sont, sont réunis. D'accord, ok. Ok, je déclare l'Ohéra. Prier des racasses surrogatoires en groupe sans raison particulière est-il autorisé À part dans le couple, le alaihi Sallam notamment, bon, le Taraweh est connu, ça c'est une raison particulière. En dehors de ça, se lever et réveiller son épouse ou réveiller son, son mari, sans son époux pour prier, ça c'est possible. Mais se réunir pour euh, prier en groupe, ceci n'est pas légiféré. C'est pas légiféré. Le professeur ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait, en dehors du ramadan. Et il peut y avoir, dans la famille, effectivement, ça peut arriver où celui qui l'a demandé, montre-moi un endroit où je veux faire la prière, il est venu, ils ont prié ensemble, mais c'est exceptionnel. Surtout si on le fait couramment. Le faire couramment n'est pas légiféré. N'est pas légiféré en dehors, du, en dehors du ramadan. À ma connaissance, ce n'est pas légiféré. Alors, salam Allô, euh, salam Allô, wa salam. Je vous écoute. Alors <coughs> <coughs> tout ce qu'il euh, qu y a déjà pour ce téléphone. Allô, anniversaire. Alors vous avez sérieusement ce qu'il y a qui se produit. Amené, vous euh, c'est. Euh, en fait, je viens de vous contacter parce que je suis dans une situation. Là, euh, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez essayer d'améliorer le, le, l'appel euh, téléphonique On a un petit mal, je pense des auditeurs aussi. Voilà. Oui, c'est beaucoup mieux là. Là, vous m'entendez oui, la... mieux Oui, on vous, la... vous entend mieux, ouais. Très bien. Euh, donc, je me remets de vous contacter parce que c'est une situation où euh, bah, j'ai besoin qu'une personne de science puisse m'aiguiller. Oui. Euh, donc, euh, fait le... Enfin, vu le contexte actuel en France et que je suis une femme qui porte le voile, j'ai eu une opportunité dans mon pays d'origine. Oui. Donc, j'ai effectué la rizara mm -hmm. Et euh, mes parents, par contre, sont restés en France par des euh, bon, euh, circonstances, etc. Que... Oui. Euh, donc, je suis revenue les voir, là, récemment, et, euh, j'ai pu voir, en fait, que, euh, au premier abord, ma mère, elle était plutôt favorable à cette crise mmh. euh, là mais là, en fait, je vois que dans les faits, euh, vu que je suis la fille aînée, etc., etc., bah, elle, euh, elle s'en sent pas vraiment, quoi. Enfin, elle me fait ressentir, enfin, je sens qu'elle me le dit pas réellement, mais elle me fait ressentir que, voilà, elle a besoin de moi quand même au quotidien, etc., etc. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir, est-ce que c'est possible? Euh, de m'installer dans un pays qui est limitrophie ou alors, euh, voilà, euh, où euh, je peux, euh, voilà, travailler avec mon voile, etc., pratiquer ma religion, ou est-ce que je peux rester en Rizorat et essayer de, de l'aider, mais euh, en distance, quoi. Vous êtes marié ou pas euh, Non, du tout. Est-ce que vous avez des soeurs et des frères qui peuvent aider vos, votre mère ici Alors, j'ai des petits frères et euh, une petite sœur, oui. De, qui, sont, qui, peuvent, qui sont dans la même ville, qui, 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 peuvent, les, qui peuvent aider votre alors, mère euh, Alors, c'est des adolescents, en fait. Ouais. Je suis la plus grande, on va dire. De, voilà, c'est des adolescents. Euh, voilà. Non, si je vous pose cette okay. question, parce que la question, la, oui. la, la réponse, le conseil dépend de s'il n'y a personne pour aider oui, votre oui, mère et oui. qu'elle a besoin de vous, il faut mm -hmm. que vous vous rapprochiez mm -hmm. tout en pr mm -hmm. pouvant pratiquer de la meilleure façon. Donc, si... La religion, oui. la religion passe avant l'obéissance au Père et Mère, ça c'est clair. Les gens, ils ont fui oui. avec leur religion. Et maintenant, oui. si vous pouvez pratiquer euh, euh, la religion là où vivent vos parents, et même avec difficulté, certainement, il serait mieux pour vous de rester et de patienter, mais tout en, respect, tout oui. en respectant les, les obligations de la religion, où que vous soyez. Si oui. ce n'est pas possible euh, pour vous, il vous oui. faut effectivement oui. trouver oui. le moyen. Euh, de, de, mmh. de compenser d'une façon ou d'une autre, soit effectivement dans un pays euh, euh, voisin ou un endroit voisin où vous pouvez mieux pratiquer votre religion, et tout en mmh. essayant d'avoir de, bon, de vous marier pour, pour d'abord. On vous souhaite, le, on vous souhaite le, on vous souhaite le meilleur, voilà. Et ensuite, donc vous, vous faire accompagner, de vous, vous faire aider par un époux pieux et qui vous donnera des bons oui. conseils, et également qui vous accompagnera tant que vous en aurez besoin et, et tant que vos parents seront en vie, seront en besoin de, de, votre, de votre aide. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Ah oui, quelles sont les conditions pour se convertir à l'islam? Sont-elles les mêmes pour un homme et une femme? Oui, c'est les mêmes pour un homme et une femme. Il suffit de demander à son Seigneur, sincèrement, de connaître ce qu'à quoi nous engage l'islam. C'est un devoir pour tout un chacun, pour toute personne qui est pubère, de rechercher la vérité et la personne sera guidée. Personne ne viendra au jour du jour dernier en disant je ne savais pas. À partir de ce moment-là, il suffit, je connais un certain nombre de cas où les gens se cachent dans leur salle de bain pour faire l'attestation de foi. On n'a pas besoin de ça. Mais islamiquement, de façon plus sérieuse, on doit témoigner devant deux musulmans. Quand je dis témoins, c'est au moins ce qu'on appelle impudiquement des musulmans non pratiquants. Il faut témoigner devant des musulmans pratiquants c'est qu'on peut considérer l'islam comme témoin. Euh, de l'attestation de leur la foi, qu'Allah seul mérite la relation, que Mohammed est son messager ou un musulman. Simplement, c'est pas une mince affaire. Donc, il faut connaître au moins quels sont les piliers de l'islam, les... quels sont les articles de foi, ce à quoi il faut croire. Et euh, ça se faisait naturellement pour les gens qui étaient simples, comme les bédouins, qui venaient juste poser des questions sont les... à quoi tu nous appelles Qu'est-ce qui nous est interdit Ils leur disaient je dirais en cinq minutes, c'était fait. Aujourd'hui, on ne va pas demander de lire le Coran par cœur, de lire le, tout le Coran ou de lire Riyad euh, Salihin ou d'autres, tous les hadiths avant de se convertir. Non, il suffit d'ouvrir son cœur, demander à Allah de nous aider et de poser les questions essentielles. Et ensuite, bien sûr, on va apprendre sa religion depuis le début, puisque Satan va pleurer, puisqu'il va, per va perdre un adepte, mais pas, malheureusement pas pour très longtemps. Et donc, il faut continuer à se cultiver, à cultiver les relations avec Allah qui nous a guidés. Et quand Allah veut du bien à quelqu'un, il le fait comprendre sa religion. Donc, il n'y a pas de. c'est pas du tout. Il n'y a pas un stage spécial à faire. Simplement, il faut savoir à quoi on s'engage, sinon, on devient un hypocrite. On ne le fait pas pour un mariage, on ne le fait pas pour autre chose, on le fait pour Allah seul. Et donc, la sincérité est indispensable pour que Allah nous pardonne tout ce qu'on a fait comme péché, les petits comme les grands. Toute personne qui revient vers Allah repentante, Allah lui pardonne. Notamment, si, celle, si elle vient vers Allah en embrassant la même religion que tous les prophètes, notamment en confirmant l'unicité d'Allah et la mission du sceau des prophètes, que Dieu le bénisse, à ce moment-là, tous ces péchés sont. Pardonner les petits comme les grands, les anciens comme les nouveaux, à condition, bien entendu, que la personne soit sincère. Ceci, que ce soit un homme ou une femme. Et ce qui est également important à faire, c'est de prendre une, le rousselon, de faire le rousselon, donc un lavage rituel qui est euh, avec de l'eau tiède, j'imagine, euh, de, de passer l'eau sur tout son corps et sur tous ses poils, avec l'intention de se purifier de ses péchés. Ceci fait partie des conditions, euh, des conditions où il faut effectivement changer. Euh, il faut faire le roussel. Donc, il euh, faut faire ce lavage-là. C'est psychologique. Hein? C'est laver son cœur, en fait. C'est donc euh, à sauter le pas, d'abandonner ses passions pour aller vers la vérité qu'Allah a établie par sa grâce, de quitter les ténèbres vers la lumière. Donc, c'est un moment important. D'ailleurs, beaucoup de nos sœurs. Euh, j'ai rarement vu un frère pleurer, comme je disais souvent. Tous les dimanches, on organise des séances comme ça pour ceux qui veulent apprendre, découvrir l'islam, ici dans la mosquée. Donc, j'ai rarement vu des frères en train de pleurer, mais les sœurs, généralement, pleurent de joie. De joie, de se, se, se jettent les unes dans les, dans les bras des autres, parce que c'est un moment très, très, très important de la vie de quelqu'un. Et le prophète, que Dieu le bénisse, il avait un, serv, un servant donc, qui, qui était malade et qui était de, de confession juive. Et il est venu trouver, euh, parce qu'il était malade, il a été le visiter. Ça, bon, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur sa, sa qualité, son comportement son exemplaire. Donc il a été le visiter, c'était son servant, et il était d'une autre confession. Il a été le visiter parce qu'il était malade, quand il a trouvé dans, sur son lit, et il a, il a visité, bien sûr, il a dû prier pour lui. Il lui a dit euh, un jeune homme euh, atteste que se le mérite de l'adoration et que je suis son messager. Il a jeté un oeil, le garçon a jeté un oeil à son père, qui lui a dit, oui, la tête fait ce qu'Abul Qasim te dit, c'est-à-dire c'était le surnom du professeur Sallam, et il a fait l'attestation tass, la de foi, et le professeur Sallam a dit, Alhamdulillah, qui a sauvé celui-là du feu de l'enfer. Donc c'est un moment très important de la vie de tout un chacun, et tout le monde a été averti, c'est pour cela que tous les prophètes ont été envoyés comme avertisseurs de bonnes nouvelles, avertisseurs contre ce qui nous attend à cause de nos péchés, et annonciateur, donc de bonnes nouvelles. Celui qui sincèrement donc, se guide vers Dieu, que Dieu a guidé, que, dont Dieu a accepté, l'a, la, la, la guidé, vers ce qu'il a aimé, celui-là, c'est comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans aucun péché. Comme s'il revenait d'un pèlerinage qui avait été accepté et qu'Allah nous guide et nous fasse surtout mourir dans le droit chemin. J'ai fait une umbra et j'ai oublié de me couper les cheveux à la fin. Je l'ai fait en rentrant. Est-ce que ma Omra est acceptée Je suis une femme. Femme ou homme, la, la désacralisation fait partie de la Omra, C'est-à-dire que c'est la fin de la Omra. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait comme interdit, entre guillemets, que ce soit relation conjugale, que ce soit le parfum, que ce soit euh, tout ce qui est interdit, se couper les ongles et le reste, que vous les avez accumulés jusqu'à ce que vous, vous, vous soyez désacralisé. La, la, la désacralisation n'est pas psychologique. Hein. C'est que c'est symbolisé effectivement par pour les hommes raccourcir les cheveux ou les, mieux encore les raser. Mais Pour vous, au moins prendre une mèche, une phalange, enfin on dit l'équivalent d'une phalange, de, 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 donc des cheveux. Si vous ne l'avez pas fait, euh, vous avez fait beaucoup d'interdits. Vous voyez ce que vous avez fait comme interdit. Et je ne pense pas que vous puissiez le, le, les compenser. Les compenser si vous avez attendu de revenir en France, que vous avez fait tout ce qui a été interdit. Donc, prions Allah subhanahu wa taala de vous accorder les, la récompense de ce pour quoi vous avez été, mais de votre, votre umrah n'est pas valide tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous avez euh, tardé entre pas, pas tardé, tant que vous avez fait le contraire de ce qui est demandé dans la umrah. Maintenant, on peut discuter combien de temps ça a duré. Qu'est-ce que vous avez fait exactement comme, comme acte, mais il y a un gros point d'interrogation sur votre omra. et qu'Allah vous récompense pour la bonne intention et vous pardonne pour votre ignorance. Je suis un étudiant en Espagne et je suis énormément tenté par les femmes là-bas. Que dois-je faire car je ne peux pas jeûner pour les problèmes de santé? Alors, Effectivement, le Prophète sallallahu alayhi a dit :« ben, les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qui se marie. Donc moi, c'est ce que je, ce que je veux te conseille. On n'a pas besoin pour se marier d'avoir des millions. Donc si tu peux trouver euh, une femme pieuse, qu'elle te l'accorde, et donc il faudrait que tu te maries. Si tu es attiré par les femmes, hamdulillah, en fait, c'est naturel et c'est normal. Donc il faut que tu te maries. Ne cherche pas à finir tes études ou à être un millionnaire pour te marier. Pour toi, ça devient. Une obligation. On sait que quelqu'un qui est attiré naturellement par le sexe opposé doit se marier, c'est une obligation. Mais pour quelqu'un qui peut résister, ce n'est apparemment pas ton cas, ça devient une sunna, ça veut dire conseiller de le faire. Et donc, toi, dans ton cas, c'est une obligation. Surtout si tu peux pas gêner. Si tu peux pas te marier, on te dit de jeûner. Si tu ne peux pas, au moins, il faut éviter les réseaux sociaux, en tout cas, les, 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 tout ce qui peut attirer. Il faut, il faut éviter tout ce qui peut attirer donc, la, 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 le réveil de ton instinct hein, sexuel, etc. Donc il faut que tu baisses les yeux, il faudrait que tu fasses beaucoup de vicres pour éloigner Shiton, et le mieux pour toi, c'est certainement de te marier, et qu'Allah te facilite le bien. Est-ce que le fait de ne pas ressentir d'amour pour son mari est une épreuve Bien sûr, c'est une épreuve. On a toujours dit que tout est épreuve. Que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, la beauté, la laideur, euh, que ce soit l'amour ou, ou la haine, tout est épreuve, grâce à Allah. C'est Allah qui a tout créé. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu wa 37, verset 96. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc, que tu ne ressens pas de l'amour pour ton mari, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que c'est quelque chose qui va certainement avoir des conséquences. Donc, parce que c'est un compagnon de vie. Alors, il faudrait peut-être analyser pourquoi, si tu t'es marié, si cet amour, pourquoi ça a disparu et comment. Et parmi les, les causes de disparition de l'amour, c'est la sorcellerie. Donc, il faudrait éventuellement faire la roquette, au moins écouter le Coran, voir comment tu te sens, beaucoup prier et essayer de revenir à ça. Après, bon, si. Euh, si tu peux supporter par la cause des enfants ou à cause d'autre chose, ce serait mieux pour toi. Mais bien entendu, que quand tu n'aimes pas, c'est possible de demander ta liberté, comme ceci est arrivé donc, euh, euh, du temps du compagnon du professeur Salam. Une femme qui est venue lui demander Je le à un tel simplement, en le comparant aux autres, je ne peux plus, je crains de lui désobéir, je ne, ne l'aime plus, ou l'équivalent. Il a dit Est-ce que tu lui rends son, son jardin Elle a dit Oui. Il a demandé donc. Euh, à habite ou à de lui rendre sa liberté, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'on appelle le holo. Donc si tu ne peux plus supporter, bien entendu, tu vas demander le divorce je conseillerais à ton mari, malgré son amour et malgré ce qu'il craint de subir comme gêne ou comme perte, de t'accorder la liberté, demander. Alors, Saramalekam Wa alaykoum salam wa alaykoum salam Vous m'entendez Oui, oui, très bien. Barakallah euh, pour tout ce que vous faites. Barakallah à toute, euh, toute l'équipe. Allah mon frère. Euh, alors, en fait, je vous appelais pour savoir une chose. Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences pour un défunt si la répartition de l'héritage est retardée À ma connaissance, non. En ma connaissance, non, sauf s'il craignait que ce que soit retardé, il doit au moins conseiller les gens, conseiller les, héritiers, les futurs héritiers et donc les conseiller de. J'aimerais bien que. Ce n'est pas comme les dettes. Sauf si les dettes, si tu veux, il a laissé des dettes. S'il n'a pas laissé des dettes, ce sont les vivants. Une fois que c'est passé, ses héritiers, il n'est plus responsable de la répartition, de l'inégalité, de l'injustice qui a suivi ou du fait que ce soit retardé. Mais il est fortement conseillé de. Euh, se précipiter à partager l'héritage, le, le, dans la mesure où plus ça dure, plus il y a des conséquences, euh, même sur les relations, et puis surtout avec euh, le bien matériel, malheureusement, même les liens de parenté se distendent et il peut y avoir de la de la haine. À ma connaissance, il n'y a pas de conséquences sur euh, le défunt. Quand la lui fasse miséricorde, il n'y a pas de conséquences. Oui. Non. D'accord. Barakallah, Allah y a y a fichu fichu. Fichu. Allah salam alaikum wa wa Alors, le tawakkul permet de nous faciliter dans nos épreuves. Mais comment se l'appliquer quand notre cœur veut une issue bien précise <laughs> Bien entendu, c'est ce que je disais et que certains n'ont pas compris quand je dis on dit que les Sénégalais croient tous en Dieu, mais ils ne nous font pas confiance. Bien entendu, je ne parlais pas de Sénégalais, je suis très proche d'eux, et ce n'est pas de ça que je vais jamais me moquer, Quand elle me préserve de mes frères, et même de non-musulmans encore moins, de mes frères. Donc non, pas du tout. C'est parce qu'effectivement, la te dit oui, mais c'est vrai, oui, mais il y a toujours oui, mais quand même, mieux vaut garder ceci, ceci, c'est parce que, effectivement, ton degré de confiance n'est pas arrivé à ce que le Prophète a décrit dans le hadith rapporté par Omar ibn Khattab à la Grèce, si vous étiez vraiment, vous vous remettiez vraiment à Allah comme il se doit, vous seriez comme ces oiseaux qui quittent le matin le ventre vide et qui reviennent dans leur nid le soir le ventre plein. En effet, c'est la le le, la remise en confiance à Allah, c'est le point le plus élevé, disent certains savants dans Ibn c'est le point le plus élevé de la foi. Prendre les moyens. Ça, sinon ce serait de, vraiment une mauvaise c'est l'ignorance, Allah a créé les moyens, les causes pour les utiliser prendre les moyens mais tout en ne comptant pas sur les moyens donc le fait que tu investisses ou que tu gardes de l'argent pour le mariage ou pour ceci ou pour cela c'est normal mais ce n'est pas parce que on, tu as eu un brigandage ou tu l'as perdu que ça y est tu ne, tu, tu, tu ne, tu ne sais plus tu n'arrives plus à dormir on a demandé à l'Imam Ahmed qu'Allah fasse miséricorde est-ce que un, un riche peut, quelqu'un qui a 200 000 dirhams ou dinars à l'époque, est-ce qu'il peut quand même être un zahid, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui peut être un ascète Il a dit oui. Si le fait qu'il les perde, pour lui, c'est comme s'il les avait gagnés. C'est comme s'il les avait. Voilà, donc ça c'est le cœur, c'est le cœur qu'il faut travailler, qui, qui doit savoir que rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux si ce n'est pas la permission d'Allah encore une fois on revient à la hawla wa la quwwata illa rien et donc personne ne peut nous appauvrir, personne ne peut nous nous, nous, nous donner ce qu'Allah nous a pas destiné donc le tawakkul va avec la foi profonde au destin et que tout ce que nous avons ne peut pas ne pouvait, on pouvait pas ne pas et le personne ne peut nous l'enlever surtout voilà et ce qu'on n'a pas c'est personne ne peut nous le donner voilà encore moins nous-mêmes donc ça c'est facile à dire mais c'est vraiment le summum de la foi, c'est connaître Allah. Quand on connaît Allah nécessairement, nécessairement, on lui fait confiance. Allô, salam alaykoum. Wa oui, alaykoum salam. Je vous écoute. Alaykum. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa euh, Excusez-moi cher, je me remets un peu de mes émotions parce que je ne pensais pas vous avoir. Et du coup, j'ai le cœur qui, qui est un peu qui bat un peu à la chamade donc j'essaie de, de reprendre mes, mes esprits euh, bah déjà c'est un à tout le monde j'espère oui. que vous allez bien, bien euh, merci pour le, le, fait, le euh... temps que vous nous accordez euh, et de, de la science que vous nous transmettez avec plaisir euh, moi ma question euh, ça concernait la salade oui je voulais savoir euh, pour pas être euh, ni dans le laxisme ni dans l'extrémisme oui. euh, quel point du coup de, de départ euh, je pourrais prendre pour le rattrapage des prières que j'ai manquées par le passé, sachant que j'ai acquis euh, de la science chance euh, aujourd'hui que je n'avais pas auparavant, euh, pour pouvoir justement euh, accomplir les actes obligatoires, notamment la, la prière. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu euh, récemment sur des articles et certaines sources fiables que certains euh, savants conseillaient de rattraper euh, de prières, je crois, par jour, mm -hmm. sur celles qu'on a pu euh, manquer par le passé. Euh, mais moi, c'est surtout vis-à-vis euh, -vis du fait que je n'avais pas assez de connaissances sur, sur le dîme. Sur le mm -hmm. euh, savoir dans ce cas de figure, du coup, euh, bah, comment ça se passait. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Non, non c'est très, très clair. Et ton cas n'est pas un cas isolé. On remercie Allah qu'il qu est revenu vers toi pour que tu reviennes vers lui. Et Alhamdulillah. de toute façon, c'est une faute à vous d'être à moitié pardonné, dit le proverbe. Allah, wa ta'ala, quand on le reconnaît, on revient vers lui. Allah est plus content, disait le prophète, du retour de son serviteur vers lui, égaré, plus que quelqu'un qui a tout perdu dans le désert. On connaît bien le hadith. Et Allah est bien plus miséricordieux qu'on ne le pense. Donc, par rapport à cette situation, que, que, comme je dis, qui n'est pas unique, hein, il y a trois avis. Le premier avis, c'est que tu n'as rien à reprendre. Tu n'as rien à prier, puisque quand tu ne priais pas, tu n'étais pas musulman. Ça, c'est l'avis des savants hambali. Parce que le Prophète a dit entre l'homme et, les... et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Donc tout ce que tu as fait, tu ne peux pas rattraper en disant quand je n'étais pas musulman. Donc ça, c'est l'avis. C'est un avis minoritaire, mais c'est un avis qui existe. Donc je le dis parce que nos auditeurs nous écoutent il ne faudrait pas qu'ils se basent sur un seul avis. Souvent, on entend moi, je suis de l'avis que non, il y a des avis. L'avis majoritaire, c'est effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est rattraper toutes les prières. On ne sait pas si Allah va les accepter ou pas, mais il faut les rattraper toutes. Et ceci est assez difficile à pratiquer quand on est revenu vers Dieu à 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais ben ça, ça va être difficile. Donc il euh, y a un autre avis qui est celui de, des Zahirites, notamment Ibn Hazm, fasse Miséricorde c'est l'avis vers lequel personnellement je penche c'est qu'une prière qui n'est pas faite à l'heure n'est pas rattrapable. On la doit peut-être par dette, mais on ne sait. Allah dit Verset 103 de la salat les femmes, la 4, la prière est pour les croyants et une obligation à des moments bien déterminés. Et Ibn Hazm dit notamment euh, Ne vois-tu pas que la femme indisposée ne prie pas et ne jeûne pas Alors, lui demande de rendre le jeûne et pas de rendre la prière. Voilà. Donc, ils ont des arguments. Chacun a des arguments, bien sûr. Euh, moi ce que je conseille c'est vraiment que tu reviennes et Allah de ton cœur que tu le remercies comme on ne saurait jamais le remercier, ensuite que tu regrettes ce passé-là et que chaque fois que tu peux, que tu te mettes à faire du bien, notamment la prière si tu peux te lever le dernier tiers de la nuit, le faire, si tu as un pendant les vacances ou pendant les congés ou quand tu n'es pas fatigué, chaque fois que tu peux ne reste pas devant sur les réseaux sociaux, ne reste pas devant la télé et sans sans extrémisme, hein, je veux dire, tu fais vraiment ce que oui. tu peux faire et Allah sait à ce qui t'a donné et Allah est pardonneur. Mais il faudrait pas se se penser surtout que on est pardonné. C'est surtout ça. Mais ça c'est pour tous, ça c'est pour tous les péchés, notamment la prière parce que comme tu le sais, c'est ce qui te préoccupe, qu'Allah te facilite le jour du jugement dernier, la première chose sur laquelle on va on va, on va interroger le serviteur, c'est la prière. Si la prière oui, est bonne, voilà, oui. si la prière est bonne, Allah dit aux anges, j'accepte tout. Donc si nos prières ne sont pas bonnes, ça craint. Ça craint. Notre, voilà, notre, notre mère Aïcha, tu sais, elle, elle a été étonnée, elle a posé la question au prophète الله Mais Allah dit, Fa yuhasabu yuhasabu Donc, on va te donner le livre de la main droite. Elle dit, il lui dit, oui, mais j'ai bien compris, ce n'est pas ça. Ça, c'est vraiment une revue générale, en gros. Quoi. Mais si la prière n'est pas complète, je crains pour moi, je crains pour tout un chacun. Donc c'est pour cela qu'il faut pas, il faut regretter, il faut demander pardon à Allah, il faut prier, sachant que personne ne au paradis par ses œuvres. Donc ce n'est pas la prière qui va nous faire rentrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah. Il faut compter sur sa miséricorde, continuer à lui demander pardon et essayer de prier au maximum. Rajouter les prières sur le gâteau, notamment à des moments... Oui, voilà, bah voilà, voilà c'est ce que, ce que je vous conseillerais personnellement. D'accord. Voilà. Très bien. Euh, cher. Merci beaucoup. A ah, euh, bientôt une et va vous, vous facilite et amine, amine. sans vouloir copier sur tout le monde, qu'Allah vous vous accorde le paradis. <laughs> non, non non vous pouvez vous, vous pouvez vous pouvez copier il <laughs> n'y a aucun problème. <laughs> Karim Souris, et Hamdulillah c'est ce qu'on cherche tous. <laughs> et qu'Allah vous pardonne complètement et ah, vous fasse rentrer dans son paradis. également. Um, um, merci beaucoup. Allahu quelle est l'avis de consommer le mariage avant la fête et d'habiter à deux C'est une question de convention. Le, une fois que le mariage est célébré, et donc euh, la fête, le professeur Salama a dit, si on veut voir le bon, je pense que c'est Abdurrahman Off, il lui a dit, euh, fais une fête, ce qu'on appelle la walima de la fête, donc fais une fête ne serait-ce que avec... Euh, brebis ou l'équivalent comme il a dit allez sur la donc le fait de faire la fête c'est on n'a pas besoin d'une salle on n'a pas besoin de quoi que ce soit c'est juste de faire une salle et c'est de la publicité pour le mariage je me suis marié mais cela n'empêche pas de consommer le mariage ou de vivre ensemble ce qui est conseillé d'après la Sunna, c'est de ne pas tarder après la consommation du mariage à faire la valima c'est un parle de trois jours ça dépend bien sûr de des, des, des circonstances. Si tu n'as pas de quoi faire une fête, et la fête c'est pas avec 30 000 euros, quoi, comme certains le font, c'est plutôt du gaspillage avec de l'interdit comme euh, on sait le faire. Voilà. Donc euh, la fête, il suffit de, de, de donner à manger à des pauvres pour ce que tu pour ce que tu peux, c'est tout. Et tu te maries pas pour 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 rester euh, vivre comme un célibataire. Donc vivre avec ton épouse ou avec ton époux, c'est quelque chose de naturel. Et c'est plus que conseiller, C'est pour ça que tu te maries. Par contre, ce que je veux dire à certains jeunes qui trichent en disant, en promettant aux parents qu'ils vont pas consommer de mariage euh, ou des parents qui exigent, euh, qui ait un mariage civil avant la consommation, etc. Euh, bon. Si tu promets, la promesse est une dette. Donc, si tu promets à ton beau-père ou à ta belle-mère ou à je ne sais qui d'autre quoi que ce soit, tu dois la respecter. Personne ne t'a obligé de le faire. Donc, si tu t'engages, celui qui ne tient pas sa promesse, ça fait partie des, du quart de l'hypocrisie, comme l'a défini le prophète de hadith de Abdallah ibn Amr ibn As. Tu, tu, tu as un quart d'hypocrisie si tu te mets à ne pas tenir tes promesses. Par contre, rien ne t'oblige. Donc, à ne pas consommer ou à vivre à deux et ne pas faire l'avaliment, tu fais l'avaliment dès que tu peux, c'est ça la soumna. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'avaliment que ton mariage n'est pas valable. Ou ce n'est pas parce que non plus, puisqu'on y est, que la dot n'a pas été donnée, que ton mariage n'est pas valable. La dot peut être donnée avant, pendant ou après. Voilà. Donc, là, je reçois souvent des questions. Oui, mais il n'a pas payé la dot. Est-ce que mon mariage est encore valide Mais bien sûr qu'il est valide. On est séparés depuis combien de temps Ou on n'a pas consommé le mariage depuis.. Euh, trois mois du mariage, non, personne, ça n'existe nulle part, sauf dans des coutumes peut-être, ou chez des ignorants, ça n'existe pas. Il n'y a pas de délai de péremption, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas de délai de péremption, vous êtes marié, vous êtes marié, tant que vous n'êtes pas divorcé, vous êtes marié. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait la walima que ton mariage n'est pas valable, ce n'est pas parce que tu n'as pas consommé dans les trois mois ou dans les six mois que le mariage n'est pas valable. Tout ceci, ce sont des choses, je ne sais même pas comment l'homme va chercher des histoires là où il n'y en a pas. Quoi. Allah a simplifié les choses et nous sommes là en train de euh, compliquer. En train de les compliquer, qu'Allah nous facilite. Allô, salam alaykum. Oui, salam alaykum. Wa salam, wa euh, ben, J'ai une question. Oui. Je suis marié avec ma femme religieusement mm -hmm. il y a un peu moins de 4 ans. Oui. Euh, sauf qu'on avait déjà consommé le mariage et au moment du ce qu'on appelle la oui. euh, elle était enceinte mm -hmm. aujourd'hui on a deux enfants pour nous on est mariés mais on voulait savoir si le mariage était valide mm -hmm. la question c'est de savoir si le mariage est valide ou pas oui alors si tu poses la question c'est une chance pour toi et pour les auditeurs de se poser la question et je sais qu'il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça c'est-à-dire qu'il y a trois avis là aussi, Il y a trois avis. Il y a trois avis, ce n'est pas oui. pour te consoler. Il y a un avis qui dit que le mariage est valable parce que celle avec qui tu as forniqué, excuse-moi du terme, celle avec qui tu as consommé avant le mariage, c'est celle avec qui tu t'es marié. Donc le mariage est valide. Ça, c'est l'avis des Hanafites. Mais ce n'est pas l'avis euh, le plus fort. Donc l'avis le plus fort, c'est que ton mariage n'est pas valide. Mais tes enfants sont tes enfants légitimes si effectivement. Tu te considérais comme marié. Voilà. Tu t'es trompé ou tu ne savais pas qu'il fallait t'abstenir avant le mariage religieux de, 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 de relations conjugales et tu l'as fait. Ou que la femme était enceinte, euh, tu, ne sais, tu, tu le savais ou tu ne le savais pas. Vous avez quand même fait le mariage. Le mariage n'est pas valide pour la vie majoritaire de savants. Le mariage n'est pas valide, il faut le refaire. S'il y, voilà. y a eu des enfants, la plupart des savants disent, contemporains comme anciens, que ce qui a été fait est fait. Et donc, on sait, ce ne sont pas des enfants hors mariage. Voilà. Sauf si tu l'avais fait exprès et que tu as vécu avec une personne, ou elle a vécu avec une personne, ils étaient dans le haram, et donc ces enfants sont des enfants hors mariage, et tant qu'ils ne se sont pas euh, mariés officiellement, religieusement. Donc, dans ton cas, je dirais, j'imagine que tu ne savais pas, j'imagine, que tu ne savais pas qu'il fallait ça. Bah. Parce que si tu savais, ton mariage oui. est invalide de toute façon. Ton mariage est invalide. D'accord, parce qu'elle est tombée enceinte après qu'on ait prévu le mariage. Oui, mais après que vous avez prévu le mariage, vous n'étiez pas marié. Vous n'étiez pas marié. Non non. Voilà. non, non. Si, si vous n'étiez bon. pas marié, ça veut dire que le mariage n'est pas valide puisque avant de, avant de, avant de faire le mariage, tu savais qu'elle était enceinte. Oui. Voilà. Au moment du mariage, oui. Donc, si tu savais qu'elle était enceinte au moment du mariage, est-ce que tu savais que le mariage n'était pas valide si je, sur la grossesse À ce moment-là, non, on ne le savait pas, non ah, C'est ce que j'espère d'ailleurs. Parce que si à ce moment, vous ne le saviez pas, le mariage reste quand même invalide pour la majorité des savants, mais les enfants restent légitimes parce que tu la considérais comme ton épouse. D'accord Maintenant, là, il faut refaire le mariage, même si c'est 10 enfants, là, vous n'en avez que deux. Et l'avis le plus pertinent, c'est d'attendre au moins qu'elle ait... Il faut refaire le mariage avec, euh, en attendant... L'avis le plus pertinent, c'est qu'au moins qu'elle ait un écoulement de sang. C'est-à-dire que soit elle est, elle, est, elle, est, elle est enceinte, elle accouche, euh, soit tu attends qu'elle ait ses menstrues. Et ensuite, vous, vous, refaites, ensuite vous refaites le mariage avec, euh, avec les conditions que tu dois connaître. Okay, voilà. Le, le troisième avis, c'est le même, sauf chez, chez les malikis, il faut attendre trois mois de séparation. Pour, pour que le mariage soit valide, il faut trois, trois règles, entre guillemets, trois, trois, trois monstres. Mais ce ça, c'est l'avis ouais. des malikis. Mais ce qui est certain, c'est qu'il te faut que tu refasses les, le, le, le mariage, hein, que vous refassiez plutôt le mariage, et que tu attendes au moins l'écoulement du sang pour séparer ce qui est halal et ce qui est haram. Ça ne doit pas être très pratique. Surtout, je ne sais pas comment tu vas te présenter devant la belle famille en leur avouant qu'il y a eu des contacts, plus que des contacts, etc. etc. Voilà. Maintenant, juste, ju juste une précision. J'ai oublié une précision c'est que l'enfant, le premier enfant, ou les deux, le, le premier enfant, si tu pensais que il n'était pas. Il que les enfants, euh, vous étiez mariés, bon, ces enfants restent vos enfants, c'est ce que j'ai dit au début. Mais si vous ouais, le, vrai, si vous vrai, le saviez, le mariage sur la grossesse n'est pas valide, n'est pas valide. S'il y a eu consommation euh, avant, avant, le, avant le mariage, il n'y a pas eu écoulement de sang, le mariage n'est pas valide. Sur la grossesse, il n'est pas valide. Ça c'est la, la vie, vraiment le plus pertinent des, des savants et sûrement la vie majoritaire. D'accord, okay, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bah, Allahu Akbar. Allah al Comment gérer le sentiment amoureux avant le, avant le, avant le mariage Voilà une question qu'on pose à un vieux. Euh, le sentiment amoureux, par définition, est difficile à gérer. Difficile à gérer parce que c'est un sentiment qui est dominant et parce que Satan aime bien cela pour continuer à manifester quelque chose qui te dépasse, mais il n'y a que la piété qui arrive. Tu sais qu'Allah sait ce qui est dans ton cœur et encore plus ce qui est évident et qui apparaît au travers de tes actes. Donc il faut patienter, il faut faire beaucoup de vécans, il faut rester dans le domaine du permis et ne pas tomber dans, dans l'interdit. voilà Donc euh, ceci est vraiment le, le grand problème, pas que des jeunes. Quand on est amoureux, euh, à ce moment-là, on a très peu de maîtrise sur ce que l'on fait. Et là, ça devient une grosse épreuve. Mais néanmoins, si Allah le, le, le permet, si Allah a créé l'amour, si Allah a interdit un certain nombre de choses, c'est pour notre bien. Donc, il faut veiller à tout faire pour s'éloigner de ce qui peut être interdit. Donc, il faut savoir ce qui est interdit, ce qui est permis. Et généralement, euh, on suit nos passions. Et ça, il n'y a que la piété, avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous permet donc de... D'échapper à quelques pièges de Satan. Quand on le sait, le mieux c'est de s'éloigner vraiment, c'est de s'éloigner de l'interdit et d'éviter même les choses qui sont douteuses parce que très souvent, on risque de tomber dans les choses douteuses, quand, en particulier dans le domaine donc, de l'amour. Allo, salam alaikum. Allô. Oui. ça salam. Bonsoir. Salam alaikum. Allez, là Je vous écoute. Vous vous Alhamdulillah, on vous attend. Alhamdoulilah. Je vous appelle depuis Nantes. Oui. Euh, je voulais savoir une question. Je voulais. Je me questionnais sur un truc qui était fréquent un peu. Oui. Euh, L'endogamie communautaire. Oui. Et moi, je suis burkinabé. Oui. Et je suis africain, ouest-africain. Oui. Et ma petite amie en Grèce, elle est. Elle, elle vient des îles du Comore, Mayotte, tout et tout. Oui. Et ça, ça se trouve que euh, c'est un peu compliqué du côté, du côté de sa famille. Je voulais savoir si c'était interdit, s'il si y, avait, y avait des lignes de, du Coran qui disaient que voilà, c'était impossible, ou si c'était possible, c'était quoi en fait Je suis perdu. Qu'est-ce qui est possible Que tu vives avec elle Non, tu ne trouveras pas de verset qui va te le permettre. Maintenant, si euh, au Comores ou, ou au Burkina ou ailleurs, c'est sûr que les gens, euh, c'était peut-être historique, hein? c'était pour garder les, entre guillemets, garder les, les richesses de, de, de la famille ou du clan. Pour que ça se sorte pas, pour oui. que ça n'aille pas ailleurs, mais il est év évident que dans l'islam, c'est la piété qui compte. Et donc, vous n'êtes pas. Exactement, voilà. exactement. On n'a rien fait. On ne peut jamais touché rien. Mais oui, mais, on a, mais, on a tout Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Je te <laughs> dis simplement <laughs> que bien, ce n'est pas. Ce n'est oui. pas. L'exogamie, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est interdit dans l'islam. Je pense que c'est pour des raisons historiques. L'homme a toujours voulu euh, garder le contrôle de ses biens, etc. Donc en acceptant euh, que tu épouses tu, tu, tu une comorienne et les, 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 les parents également de, de, de cette femme, j'imagine, euh, ne souhaitent pas qu'elle. Qu'elle t'épouse parce que, bon, elle risque d'aller soit rester à Nantes, soit aller vivre ailleurs, en tout cas pas retourner au Comores Donc il y a des craintes de ce genre-là, plus le, le, le problème également de coutumes, de coutumes coutume et de traditions, qui font que, bon, il y a quelques soucis qui apparaissent quand on n'est pas de la même culture. Mais ce sont les choses que l'islam vient euh, gommer, ou en tout cas que l'islam vient dépasser. Parce que si on a les mêmes références, normalement on doit s'entendre. Il y a certainement des frictions, mais on doit s'entendre. Donc, rien n'interdit que tu opposes une Comorienne, rien, bon, avec l'accord de ses parents, avec son accord bien entendu, et l'accord de ses parents. Donc, rien ne l'interdit dans l'islam. Et tes parents n'ont pas, même s'il euh, y a toutes les chances pour qu'ils te posent des, des soucis, n'ont pas à s'opposer à ton choix. Tes parents n'ont pas à s'opposer à ton choix. Donc, c'est la raison pour laquelle, si tu peux utiliser euh, l'imam de ton village euh, au Burkina, euh, s'il si m'écoute, <laughs> ou euh, je ne sais quoi d'autre, pour essayer de convaincre tes parents que c'est. C'est l'importance de la piété et vice-versa. Ouais, si, euh, ouais, voilà, si, voilà, si cette personne peut également utiliser euh, les, ses relations avec les amis de sa famille, etc., pour essayer de les convaincre qu'elle est entre de bonnes mains, parce qu'elle suit sa religion. Ça. Merci beaucoup. Ça avec est plaisir. Allah et Allah Merci. Allah Allah. Allah. Merci. Alors, il y a une question qui ressemble à celle que tu viens de poser, le frère Burkinabé vient de poser, c'est le fait de savoir si c'est le mariage forcé. J'essaye de trouver la, la question, elle a déjà été posée et ça fait quelques semaines qu'on n'a pas réussi à, à répondre à cette question-là par rapport au mariage forcé. C'est-à-dire qu'on donne, euh, surtout quand on est en Europe, les parents ont prévu euh, de une fiancée ou une femme, parfois même depuis la naissance, hein, mais ça c'est de moins en moins, on t'accorde une personne et que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas. On a toujours dit dans cette émission-là que le mariage forcé est interdit. Le mariage forcé est interdit, il est invalide même, il est invalide. Une femme est venue trouver le professeur Salam en se plaignant de cela, en disant que mon père m'a obligé à me marier. Le professeur m a dit divorce. Il dit non, 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 je l'aime. Il dit... Elle dit simplement c'est pour que les femmes sachent qu'elles ne, qu ne sont pas obligées, donc euh, qu'elles ne sont pas les objets, qu'elles ne sont pas obligées d'accepter euh, le choix de leurs parents. Voilà. Donc il est évident que le lien de parenté est sacré dans l'islam, mais personne ne doit imposer à sa progéniture et avec bien entendu, comme vous le savez, d'avoir comme ils aiment bien le dire, l'invocation du mal. Tu sais, les parents sont importants. Oui, les parents sont importants. Les parents sont importants vis-à-vis -vis de quoi Les parents désobéissent à Allah en obligeant, en obligeant euh, donc leurs filles, en particulier, à accepter leurs choix, ou en obligeant leurs frères ou leurs fils à accepter leurs choix. Non, c'est plutôt des choix souvent qui ne sont pas basés sur autre chose que le matériel. On veut pas parce que j'ai une cousine, parce que j'ai ma sœur, parce que j'ai ceci si cela. Qu'on veut garder dans la famille, ou voilà quelqu'un qui, qui a réussi, entre guillemets, dans ce bas bon monde, et donc on veut surtout pas qu'il qu qu reste en Europe, ou autre chose, on veut le garder, l'attirer dans notre famille, et pour des raisons bassement matérielles, certainement pas pour Dieu. Parce que si c'était pour Dieu, on n'aurait certainement pas fait le contraire de ce que Dieu aime pour arriver à, nos, à, nos, à, à satisfaire donc, nos, nos passions. Donc le mariage forcé dans l'islam est interdit, il est même invalide. Pour un certain nombre de, de savants, donc que l'on le sache. Et là, on doit expliquer, on doit s'expliquer, on doit patienter, on doit discuter, mais on n'est pas du tout, du tout euh, tenu islamiquement d'accepter le choix de nos parents quant au choix de, euh, de la compagne ou du compagnon, qu'Allah nous guide et nous facilite. Allo, salam alaikum. Allo, salam alaikum. salam wa vous allez bien, cher imam? Oui. Alhamdulillah, Quel plaisir de vous avoir, Alhamdulillah. Allah Qu'Allah Qu vous récompense ainsi que Karim et toutes les personnes qui suivent le live. Amen, 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 Amen. Alhamdulillah, Alhamdulillah. J'ai une question, moi. Oui? Alhamdulillah, Dieu m'a béni. J'ai un mari donc, qui travaille matin, midi et soir, qui prend soin de moi et de mes enfants. Alhamdulillah. Je vais très bien, mes enfants vont très bien, je travaille, Alhamdoulilah, je n'ai pas à me plaindre, je remercie Allah tous les jours. Il y a deux ans, j'ai perdu mon père et du coup, je pense que, comme je, je dis à, à travers cette épreuve, je me suis accrochée plus, plus, on va dire, à la religion. Mm -hmm. Et il m'arrive souvent, des fois, je, je, en fait, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur, c'est-à-dire, déjà, ce que je fais, je ne suis pas satisfaite de ce que je fais. Mm -hmm. Et des fois, quand je fais mes prières, à chaque fois, je demande à Allah, prise-moi de tout sauf de ma foi. Je ne veux pas perdre le peu que je, je, je fais. Est-ce que c'est mal Non, c'est le contraire. C'est le contraire, parce que c'est que si vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est grâce à Allah. Donc, vous devez mm -hmm. effectivement avoir peur et toujours peur. Il n'y a pas d'acquis dans l'islam. Allah disait le prophète sallallahu Ya al qulub, thabbit qalbi al-adinik »« Oh, toi qui, qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. peur de ne, de ne plus être musulmane, peur de ne plus se rapprocher d'Allah, peur de ceci, cela, c'est normal. C'est normal, parce que vous aimez, vous craignez de perdre ce que vous aimez, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, sa relation, etc., etc. Donc, c'est normal, mais mm -hmm. il faudrait pas non plus que ce soit... Euh, excessif, comme le disait cette soeur, il ne faudrait pas non plus qu'il qu ne faut pas exagérer au point de non, non, moi j'ai peur qu'elle n'accepte pas. Non, Allah a dit astajibu lakum. Allah a dit, subhanahu wa euh, dans la surah 40, verset 60, ton, quand ton Seigneur a dit, appelez-moi et je vous réponds. Donc euh, il faut appeler Allah, il faut être confiant qu'Allah euh, va nous répondre, et même si on ne voit pas le résultat, il faut jamais désespérer. Mais il faut effectivement, il faut vraiment pas penser que nous on est on est agréé d'Allah, on va mourir musulman et Allah va nous faire entrer au paradis. Non, ça ne peut personne, personne ne peut nous garantir même une bonne fin et encore moins d'aller au paradis. Donc craindre de perdre sa foi, ça, ça c'est plutôt bon signe, c'est plutôt un, un bon signe de la foi. Donc continuer à demander à Allah de nous raffermir et de nous faire mourir musulman. Et d'obtenir sa satisfaction et qu'Allah vous l'accorde. Allahumma amin, amin. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup à vous. Je remercie tous les jours le bon Dieu d'avoir mis votre chien sur ma route. Alhamdulillah. Je, ne, je ne sais pas qu'est-ce que je serai devenu. Allah, je, je, je prends Allah sur moi. Qu'est-ce que je serai devenu après cette épreuve Si je ne vous avais pas trouvé dans mon chemin, je ne sais pas. Allah se Mais Alhamdulillah. je sais que, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, qu'Allah vous qu récompense qu'Allah vous accorde une meilleure fin. Amen, Amen, Par Allah vous donne tout ce que vous désirez amen, dans la vie et amen. vous préserve tout ce que vous avez peur, Inch'Allah. Amen, Amen. Barakallah fikh, ma Salam alaikum, merci, merci beaucoup à vous, merci à Karim aussi. Wa Alaiki salam, wa Merci à vous aussi. Alors, beaucoup de questions encore sur le mariage, le divorce. Entre autres, on, me, on pose la question Salam alaikum, le mariage et le divorce papier n'est-il pas une innovation où cela existait dans la première génération il y a beaucoup de choses, ma soeur ou mon frère, qui n'existaient pas dans la première génération. On n'appelle pas innovation ces choses-là, ces choses matérielles comme la montre, comme tu es assis ou assise devant ta télé ou, ton, ou, ou, ou devant ton, ton, euh, ton écran en tout cas, en train de regarder. C'est une innovation aussi. Non, avant, il n'y avait pas de papier déjà. Ensuite, quand il y a eu le papier, il y avait très peu de gens qui écrivaient. Tu sais que du temps du prophète, dassad il y avait très peu de gens qui savaient écrire. Lui-même, salallahu alayhi wa sallam, ne savait ni lire ni écrire. Comment tu veux qu'il y ait des, des, des certificats de mariage ou autre Non, ce ne sont pas des innovations ce sont des choses que les gens ils ont inventées. Il y a des inventions donc, qui nous servent, comme le téléphone aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux. C'est très bonne innovation, mais utilisée à des fins qui sont parfois euh, complètement euh, désorientées, complètement euh, interdites etc. Donc, euh, mais ce n'est pas une innovation. On n'appelle pas ça une innovation. Une innovation, c'est dans la religion. On fait ça pour se rapprocher d'Allah. Et je ne connais personne qui va faire un mariage civil, avoir un papier, et un livret de famille pour se rapprocher d'Allah. Je n'en connais pas. Donc ça, ce n'est pas de l'adoration. Quand on parle d'innovation, on parle toujours d'adoration. Il ne s'agit pas d'innovation technologique. Et il est évident que ceci n'est pas quelque chose de mauvais. C'est Chacun évolue avec son temps, entre guillemets, et si tu as besoin de papier, il n'y avait pas non plus de carte de séjour, il n'y avait pas non plus de, 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 de certificat de je ne sais quoi, il n'y avait, avait pas de passeport, il n'y avait pas de carte d'identité. Pourquoi tu n'appelles pas ça innovation Non, il ne faut, il faut, il faut, faut pas tout mélanger et il ne faut pas exagérer surtout. L'innovation n'est pas ce que beaucoup de gens disent. L'innovation, c'est en matière d'adoration. Allahu wa Allah. On va peut-être prendre le dernier appel, parce que Karim nous a autorisé aujourd'hui d'aller un peu plus vite euh, à cause des petits problèmes techniques qu'on a eus. Donc on va prendre le dernier appel, comme il, il me l'a bien dit. Oui, allô, salam alaikum. Allô, vous m'entendez Oui, oui, le, vous êtes la dernière à intervenir ce soir, ça, en direct. Ah, alhamdulillah. 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 Euh, parce que euh, je suis seule en France et je suis orpheline, mmh. mais euh, j'ai de la famille et mon grand frère, euh, du coup, c'est mon mahram. Mmh. Il n'habite pas, dans, on n'habite pas du tout dans le même pays, mais euh, j'aimerais vraiment faire une Ombra, euh, moi seule. Mais euh, j'ai lu et j'ai fait des recherches comme quoi les femmes on n'a pas voyagé seule, mmh. et du coup j'aimerais faire le voyage avec lui, mais si ce n'est vraiment pas possible de faire le voyage et que j'ai le moyen euh, d'y aller avec un groupe de femmes et ce, c'est légiféré d'y aller sans lui ou je dois prendre la patience et attendre de le faire avec lui euh, pour, avoir, pour voyager avec mon tuteur légal Alors, moi, si ce n'est pas trop cher, de venir te chercher serait encore mieux. Tu sortais des divergences. Mais la majorité des savants, la majorité des avis, l'avis majoritaire, c'est que tu dois y aller avec un mahram. Donc, si ton mahram ouais. peut venir te chercher... Ça lui fera des hasanats, ça t'enlèvera des doutes, et c'est ce que je te conseille. Si ce n'est pas le cas, okay. tu patientes, tu attends de te marier, <laughs> et mm -hmm. tu, vas, tu vas poser comme, comme dot une omora. voilà, Comme ça, ça te payera tout le temps que tu, tu, tu as patienté, et qu'Allah te facilite mm -hmm. un, un mari pieux. Sinon, il y a un avis minoritaire oui. que je ne conseille à personne. Je, je, le, il y a un avis qui dit qu'on peut aller avec un groupe d'hommes de, de pieux. C'est un avis qui est valable, en tout cas pour le Hajj, qui est une obligation. Et il y a deux écoles sur quatre qui l'autorisent. Mais pour la Omra, l'avis n'est pas l'avis d'école. Les la, la quatre écoles disent qu'il ne faut pas voyager sans, sans Mahram, ni pour la Omra, ni pour autre chose. Donc ne serait-ce que pour sortir des divergences, je ne conseille à personne de surfer sur les divergences, et encore moins sur Google. On y trouve à boire et à manger. Donc pour une chose qui n'est pas une obligation comme la Omra, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, je conseille okay. à toutes mes sœurs de voyager, d'éviter les, les divergences, et de voyager avec les maharims, sinon de patienter et Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'intention, le résultat, Allah accorde subhanahu wa ta'ala la récompense de la bonne intention. Là, même si tu n'y vas Amin. pas, Allah, il se peut qu'il t'inscrive une, une aura complète plus le fait que tu aies préféré éviter la divergence pour suivre donc, la sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Merci, Baraka Allah est vérifié. Et sur ce, pour les autres qui sont Puisque tu y es, mais on avait dit, la dernière, en tout cas, tu es la dernière intervenante, ah. mais n'abuse pas. Ok, bah, c'est pas grave, non, merci. Non, vas-y, vas-y, on, va, on va pas ah. te frustrer, vas-y. Je vois Karim ah. qui fait oui de la tête, vas-y. Euh, oui. C'est pour savoir aussi, du coup, bah, euh, dans le même sujet, mon mari n'est pas dans le même pays que moi. Oui. Si je souhaite faire euh, des moukaballah, est-ce que je euh, priorise le fait de le faire avec un imam ou si j'ai des copines qui peuvent euh, être avec moi et si c'est bon pour moi ou je pré euh, préfère le faire avec les imams? faire avec les imams, je pense qu'il faut déjà... Euh, tu en parles à ton, à ton frère mm -hmm. Au moins qu'il soit ouais. au courant, au moins que l'avertir, puisqu'il ne peut pas le faire, il délègue ça à un imam. Un imam est censé être pieux. Je dis bien censé, parce qu'il y a à boire et à manger, comme on le sait. Partout, même parmi nos imams, il y a des gens qui ne craignent pas Allah. Quand j'entends et encore j'insiste, pour dire on va faire des sorties dans les Alpes, ou dans, le, dans les Vosges, ou je ne sais quoi, pour parler du, du repentir sincère, ça me fait sortir avec des femmes non mariées, même si elles étaient mariées, pour aller se repentir dans les, dans, dans, dans les montagnes, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc euh, il y a des imams qui guident vers le chemin droit, je ne doute pas. Et il y a d'autres qui ne le font pas, donc euh, mais en général, les imams sont censés être connaître Allah, donc de le craindre plus. Euh, le danger que tu as, ma sœur, avec des copines, c'est que même la muqabala, le frère peut être intéressé par ta copine et pas toi. Voilà, Bien. donc euh, voilà, donc je te conseille pas de le faire. Ce que l'on dit, c'est soit un homme pieux de la communauté en pensant un imam, mais ça peut être quelqu'un d'autre, euh, soit euh, voilà, soit au moins un couple euh, en espérant que il y a moins de tentations à l'intérieur. Voilà. Donc, mieux vaut ça plutôt que de le faire dans un coin de rue ou dans un café avec une copine, avec un copain, avec... Là, ça devient plus de la drague qu'autre chose. Ça ne correspond vraiment pas à l'esprit de l'islam, du tout. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu. Allah te donne un mari pieux. Amin. Voilà. Wa alaikum donc exceptionnellement, je pense qu'on va arrêter là, parce qu'il est minuit moins 10 euh, ici à Toulouse et en France. Donc on va arrêter là, Charles. Désolé, on a essayé de répondre au maximum. Il reste encore des questions qui n'ont pas été répondues, mais on espère, Alhamdoulilah, que vous avez eu réponse à quelques-unes de vos préoccupations. On a essayé de sélectionner, notamment dans la pratique de l'islam, dans dans, donc euh, surtout dans, les, dans la prière, etc., en espérant que... Vous allez nous pardonner nos, nos écarts et de n'avoir pas été sélectionné pour. Euh, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Allah qui décide. Donc ce n'est pas Karim, ne devine pas et ne bloque pas des numéros particuliers et qu'Allah le récompense par le meilleur. Voilà. Donc, euh, notre prochain rendez-vous sera mercredi pour euh, la vérification donc, des cœurs, donc à propos des icrs. Et ensuite, samedi, donc toujours à 22h, avant le changement d'heure. Et on vous avertira, Inch'Allah. À partir samedi, on changera d'heure ici, on passera à l'heure d'hiver, et donc également l'heure du live va changer, mais ceux qui sont en tout cas en Afrique ou ailleurs, ce sera toujours la même heure, c'est-à-dire actuellement 20h, en Afrique de l'Ouest en particulier, ce sera 20h. Voilà, donc on vous tiendra au courant, Charles. qu'Allah qu bénisse votre vie, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe, et c'était le sujet en tout cas la tombe la vie dans la tombe était le sujet donc de ce de, du quiz d'aujourd'hui et n'oubliez pas ça on l'a on a pas mentionné assez le professeur sallam dit justement depuis que la femme de confession juive est venue dire qu'il y a un châtiment dans la tombe et, elle a depuis dit notre mère Aïcha il demandait il nous a il demande des protections à Allah contre le châtiment de la tombe et il nous a dit qu'on ne fasse pas il nous, il nous a recommandé de ne pas euh,

Voilà. donc ce sont des choses qu'il a recommandées particulièrement, il y croyait bien sûr, et les croyants y croient. Il y a un vrai châtiment qui attend les désobéissants. Et comment on va y échapper C'est en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant de, des causes des châtiments de la tombe qui sont les, la désobéissance à Allah. Celui qui ne cessait de s'aimer la zizanie a été châtié dans la tombe, on en a été témoin. Celui qui ne se préservait pas de son urine a été châtié dans la tombe, puisque Allah a voulu qu'on le sache. Et ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Celui qui meurt dans la désobéissance à Allah, qu'Allah lui pardonne, sinon, avec la foi bien sûr, qu'Allah lui pardonne, sinon il, il ne pourra pas répondre aux questions de Nakir et Munkar. Les trois questions qui nous attendent tous. Et c'est la prière qui va venir à la tête. Protéger la tête quand euh, Nakir et Monkar vont v, arriver. Et ils vont gronder, disait le professeur, ils vont gronder. Le mot le, est celui qui, celui qui est mort. Ils vont traverser. Et il n'y a pas de bunker. Ils vont traverser la terre. Et ils vont venir faire asseoir la personne. Même si, même si c'est dans un cercueil, même si dans le ventre d'un fauve, ils vont l'asseoir. Et quand ils vont vouloir l'interroger, c'est la prière qui viendra protéger la personne par la tête. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Ils vont venir par la droite, c'est le jeune qui va dire non non vous n'allez pas avoir accès au serviteur d'Allah par la droite. Ils vont vouloir accéder au serviteur d'Allah par la gauche, c'est la zakat qui va dire non vous n'accéderez pas à moi à celui qui a donné la zakat. Et ils vont vouloir venir accéder au serviteur par les pieds et ce sont les liens de parenté en particulier qui vont dire non ce n'est pas par là. Et quand euh, ils vont vouloir accéder, la personne va dire attendez d'abord que je prie. Parce que la prière est devenue, peut-être à l'exemple du prophète, la prunelle des yeux des gens qui craignent Allah et qui l'aiment. Et dans la tombe, disait le prophète, comme les gens auraient donné le monde et ce qu'il contient pour pouvoir faire une prosternation. Donc Allah nous accorde une bonne fin, Allah nous rend une vie heureuse dans son obéissance, qui nous donne le paradis, qui nous pardonne tous les péchés, les premiers comme les derniers, les anciens comme les récents. Et ce que nous avons montré, et ce que lui seul sait, Subhanahu wa ta'ala, qu'il bénisse, qu'il accorde un surcroît de bénédiction à cet homme qu'il a choisi comme miséricorde pour les mondes je vais nommer Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, qu'Allah vous bénisse, bénisse votre temps, et nous accorde sa miséricorde. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته